toi là. Oui, toi. Toi qui regarde les matchs en direct. Tu veux des places pour les matchs? Tu veux des goodies? Tu veux des moments uniques avec les joueurs? Alors, abonne-toi! Abonne-toi? C'est gratuit. Sinon! Sinon, nous venons chez toi! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube UBJ Live TV. Aujourd'hui, grosse opposition pour notre équipe contre l'équipe de Floirac pour la 21e journée. Donc on va commencer ce match des espoirs. Donc je vais commencer par la composition. En numéro 1, Théo Joubert. Numéro 2, Cilien Bocchio. Numéro 3, Lulu. Notre numéro 4, Marius Delonca. Et notre numéro 5, Kylian Frelon. En numéro 6, Beka. En numéro 7, Gontran Bissérier. Et en numéro 8, Octave Bloss, qui sera le capitaine du jour. Pour les trois quarts, en numéro 9, Romain Montserron. En numéro 10, Mathéo Blanchet. Numéro 12, Kevin Mousseau. Numéro 13, Mathis Drapeau. Numéro 11, Hervé Goulois. Numéro 14, Ronan Dessienne. Et en numéro 15, Rémi Gillier. Et pour les finisseurs, en numéro 16, Paul Buche, en numéro 17, Bretonnet, en numéro 18, Tartre, en numéro 19, Bas, en numéro 20, Fort. C'est Romain Fort, il me semble, et pas Adrien Fort. Numéro 21, Desremo, en numéro 22, Massignac, en numéro 23, Tomaso. A noter que Théo Joubert, que Lulu, que Paul Buche, et il me semble que c'est tout, double en équipe première pour le match d'après. Voilà, donc aujourd'hui à Floirac, il fait super beau, comme vous pouvez le voir à la vidéo. Il n'y a pas de vent pour l'instant, donc des conditions idéales. Normalement, dans 3 minutes, le match devrait commencer. Et donc c'est une grosse opposition pour nos joueurs aujourd'hui, surtout pour nos espoirs. C'est un match crucial pour essayer de viser cet objectif d'être... entre la première et la deuxième place pour être directement en huitième de finale sans passer par les barrages. Floirac qui est huitième au classement avec 43 points, donc c'est sûrement un match important pour eux qu'ils essayent de viser le top 6 pour rêver à des barrages. Et donc notre équipe doit absolument gagner ce match pour espérer être dans les deux premières places. A noter aussi que Perorade joue à Saint-Médard, reçoit Saint-Médard, et que Mauléon reçoit Rion. Donc espérons des résultats favorables. Voilà, et donc on remercie Jérôme qui est à la caméra. Il nous a fait le plaisir aujourd'hui de faire une dreadlocks. Une dreadlock avec ses trois cheveux, hein, c'est fameux. C'est très rare, hein. Arriver à faire ça avec uniquement trois cheveux, donc on le remercie. Hein. On le remercie, il est toujours fabuleux. Donc nos joueurs qui devraient pas tarder à rentrer sur le terrain. Hey, toi là, oui toi. Toi qui regarde les matchs en direct. Tu veux des places pour les matchs? Tu veux des goodies? Tu veux des moments uniques avec les joueurs?
Alors, abonne-toi. Abonne-toi, c'est gratuit. Sinon, nous venons chez toi. Donc on remercie à nos 1092 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre nos matchs en direct et pour suivre les retransmissions pendant que nos joueurs entrent sur le terrain. Nos joueurs de jaunes vêtus. De faire leur entrée sur la pelouse. Coup d'envoi à Florac. On a le petit vent contre, il me semble. Non, pour nous. On a le vent pour nous. Très léger, hein. Ça ne devrait pas influer le match. À nos joueurs qui sont concentrés, qui attendent que le coup d'envoi. On attend les arbitres de touche, il me semble. Ouais. Un arbitre de touche côté Girondin. On est impatient de voir ce que nos joueurs vont faire aujourd'hui. La semaine dernière, ils ont fait un très gros match en mettant plus de 50 points à cette équipe de Bergerac. Donc on espère voir un aussi gros match de nos joueurs. Ah, c'est parti, coup d'envoi. Réception Théo Joubert quand plaquage appuyé de Florac. Voilà, faut absolument défendre. Voilà, bien garder les intérieurs avec un gros plaquage là d'Octave Bloss. On va chercher directement les extérieurs. Avec une tentative de grattage. Octave Bloss, encore un nouveau plaquage. On monte fort côté UBGiste, il ne faut pas s'oublier. Il y a un surnom sur l'extérieur. Et interception, superbe. Il va continuer. Pénalité pour Florac, hors jeu. Ah, c'est dommage, on avait récupéré le ballon. On a une pénalité contre nous qui va permettre à l'équipe de Florac d'aller en touche. Il me semble que Flo Gomet veut peut-être commenter, non? Non, il lui en manque quelques grammes. A noter que Thomas Lapti n'est pas avec nous au commentaire aujourd'hui. Après 7 matchs, je crois. 8 matchs. Après 8 matchs, il va refouler les pelouses, donc tant mieux pour lui. Et on espère que son absence ne se fera pas ressentir. Touche pour Florac au niveau de nos 22 mètres. Prise de balle compliquée, ouais, la touche n'était pas droite. On va sûrement repartir sur une mêlée, première mêlée du match. Ah non, je crois qu'on prend. Non, on prend la touche, d'accord. On choisit de prendre la touche. Alors on voit des joueurs qui... Ah non, touche pas droite encore une fois. Donc on va voir le choix de Florac.
une touche pas droite de chaque côté. Voilà, donc ça sera bien la première mêlée du match sur nos 22 mètres. Introduction Florac. La semaine dernière, ça avait été un secteur du jeu qui avait été un peu compliqué. Surtout en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on était plutôt bien. En deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué. Donc à voir, Florac a des piliers plutôt solides, il me semble. Mais c'est bien, on prend l'ascendant, surtout au niveau gauche, là Théo Joubert. Et gros plaquage là, de Beka. Florac, on ralentit les ballons. Ils nous proposent du pick and go hein, dans l'axe. Ils veulent faire montrer leur force, mais on résiste bien. On a des joueurs très solides. Et ils écartent. Une petite maladresse, une petite incompréhension. Et numéro 10 qui tape un coup de pied dans l'axe. Matteo Blanchet qui récupère ce ballon dans nos 22 mètres et qui va pas trouver la touche. Ah, une faute signalée par l'arbitre. Une blessure. On ne sait pas trop. Hein, les arbitres de touche, ce ne sont pas des vrais arbitres de touche, donc c'est pas signalé. C'est sûrement une blessure. Ou un KO, non, on ne sait pas. Je sais pas. Ah, c'est un joueur de première ligne, il me semble. Donc, non, c'est le numéro 11. Bon, en tout cas, le jeu est arrêté. On va sûrement reprendre par une mêlée ou autre, à voir ce que l'arbitre dit. L'arbitre qui appelle les capitaines. Ouais, donc Octave Bloss, hein, notre capitaine. À voir. Ah, on va sûrement reprendre par une mêlée. Ouais, voilà. Mêlée, ça sera mêlée pour Florac. Un peu d'incompréhension, on repart sur une mêlée. On avait pris l'ascendant sur la dernière mêlée, notamment Théo Joubert qui a bien pris son pilier droit, son face-à-face, a été remporté. Donc, ah, bel impact, hein. Ah, dommage. C'était un bel impact de Théo Joubert, mais l'arbitre signale qu'il a perdu ses appuis. Donc c'est pénalité pour Florac, mais c'était un bel impact. Hein. Deuxième pénalité pour Florac dans ses 5 premières minutes. Il trouve une touche à l'entrée de nos 22 mètres. Un match qui est plutôt brouillon pour l'instant. On n'a pas vu de lancement de jeu. Beaucoup de mêlées, beaucoup de touches, des touches pas droites, des mêlées on n'a pas pu sortir la balle, des pénalités en mêlée. Donc à voir, espérons voir un peu de jeu. Ah, peut-être contrer, non. Et Florac hein, qui part sur un mol. Faut absolument le contrer rapidement. Ils sont plutôt. Et là, on a récupéré la balle avec Théo Joubert. Théo Joubert qui attend du soutien, qui la garde, qui avance. Superbe impact hein, de Théo Joubert. Et malheureusement, le soutien un peu tardif. Et pénalité pour Flora qui est joué rapidement. Rémi Gillier attentif qui va dégager. Voilà. Qui va dégager. Non, qui trouve la touche. Non, qui trouve pas la touche. Si, qui trouve la touche, ok. Notre arbitre de touche avait mis du temps à lever son drapeau. Ah, très belle touche trouvée hein, de Rémi Gillier dans les 50 mètres des Girondins. Mais on a vu qu'avec en mettant un peu de vitesse avec ce ballon de récupération, on les a mis un peu en danger. Malheureusement, le soutien n'était pas assez rapide ou pas assez efficace. En tout cas, une pénalité pour Florac qui avait été joué rapidement. Donc, avoir cette touche. On est. Ah, en avant! Ouais.
En avant le Floirac. Les esprits s'échauffent un peu, ça sert à rien dès le début de match. Ah, ça, là, ça s'accroche un peu plus. Hein. C'est à peine la 7e minute de jeu. Faudrait pas que ça soit ça tout le match. Ah bon, les capitaines qui vont être appelés. On n'a pas. Enfin, depuis là où on est, on n'a pas vu de coup. Peut-être que l'arbitre en a vu, je ne sais pas. En tout cas, un match qui commence fort, hein, avec un match musclé. Avec beaucoup d'opposition, hein, des molles proposés par Floirac, des Pikengo. Ah, deux joueurs qui sont appelés, c'est Kylian Frelon d'un côté. Et de côté Floirac, un troisième ligne, il me semble. Ah, c'est carton. Carton jaune. Un carton jaune de chaque côté. Voilà. Donc les deux équipes qui sont à 14. Et on va reprendre sur une pénalité. On ne sait pas pour qui, on verra. Ouais, pénalité pour Floirac. Pénalité pour Floirac. Ah, c'est dommage pour les deux équipes, hein, de commencer ce match à 14 de chaque côté. Flora qui va trouver une touche. Peut-être sauvée par. Ah non, pas sauvée par Ronan De Fienne. L'arbitre qui signale la touche. Un match qui met du temps à se lancer. Sûrement là que Floirac va partir sur un mol, hein, s'ils ont le ballon comme ils ont fait tout à l'heure. C'est la touche qui est encore pas droite. Donc, on va voir sur quoi on va partir. Alors on prend la mêlée. Faut mettre du rythme, hein, dans ce match. Un joueur qui avait pris l'ascendant sur les dernières mêlées, même si on a été pénalisé sur la dernière parce qu'on perdait nos appuis. On avait vu par contre un bel impact. Donc si on arrive à garder cette mêlée stable à l'introduction, on pourra sûrement récupérer une pénalité ou avoir une bonne rampe de lancement pour nos trois quarts. Nos trois quarts qui étaient en feu la semaine dernière, on espère qu'ils aient les mêmes cannes aujourd'hui. Aïe, malheureusement, on prend le dessus, on se fait prendre sur la mêlée, mais pénalité pour nous. Pénalité ouais, pour nous. Sûrement que les piliers avaient poussé de travers. Voilà, bon, les joueurs de Flora qui parlent un peu avec l'arbitre. Il y a l'arbitre, on ne sait pas trop, hein, ce qui s'est passé. Alors donc c'était pas une pénalité, c'était... mêlée. Mêlée pour l'UBJ, pour nos joueurs. Un peu d'incompréhension, hein. beaucoup d'échanges entre les arbitres et les joueurs, on ne sait pas trop ce qui se passe sur le terrain. Mais en tout cas, nos joueurs qui ont subi la dernière mêlée. Ah, les deux packs qui sont à 7 contre 7. Ouais, bras cassé. Bras cassé, non, pénalité. C'est pénalité, c'est le pilier droit de Flora qui amène Théo Joubert au sol. Bon, mais on s'en sort bien avec une pénalité. Voilà, que Mathéo Blanchet va trouver une touche à l'entrée, presque aux 50 mètres. Bon, espérons qu'on voit une vraie action, hein, qu'on voit un peu de jeu, parce que c'est vrai qu'en début de match, c'est pauvre.
Touche pour Sylvain Bocchio. Ah, il n'y a pas de vent, hein, donc les lancers tout à l'heure du côté de Florac, les lancers pas très droits, n'étaient pas dus au vent. Malheureusement, là, on lobe notre bloc saut. Attention, hein, ils font beaucoup de passes en plus et pénalité. Plaquage sans ballon, il me semble. Ouais, beaucoup de pénalités en ce début de match. Ah, peut-être que Florac va prendre les points. Ouais, ils prennent les points. Ouais, malheureusement, ces touches ratées avec qui ne permettent pas le lancement du jeu. Pour l'instant, on n'a rien vu. Hein, ça fait 10 minutes. Et il y a un joueur qui sort côté Florac, qui s'approche de la ligne de touche. Non, il parle juste avec son collègue. Voilà. Et pénalité qui est transformée par Florac. 3-0 pour Florac après 13 minutes de jeu. Pénalité pour Florac. Florac 3, UBJ 0. Donc là, on va partir sur un renvoi. Il faudra mettre beaucoup de pression, essayer de récupérer la balle le plus rapidement possible. Là, récupéré par le numéro 5 de Florac. Bon plaquage de Kevin. Il joue petit côté. Hein, c'est Astellier qui était bien plaqué. Un point de fixation, bien gratté. Superbe grattage là, de Théo Joubert. On récupère la pénalité, c'est bien. Donc à avoir le choix. On semble un peu loin sur la ligne des 40 mètres, dans les 15 mètres. Donc est-ce qu'on sent bien pour aller au pied? Ouais, ok, Romain Manceron qui a fait signe à son capitaine qui l'a senti. Donc pénalité pour nos joueurs. Et les deux cartons jaunes qui ne devraient pas tarder à rentrer sur le terrain. On voit Kylian Fredon se repréparer. Ah, c'est une pénalité compliquée là, pour Romain Manceron, mais on connaît ses qualités de buteur. Et cette pénalité qui va passer, super, bravo Romain, pénalité qui passe, 3 partout, on recolle au score directement, c'est ce qu'il fallait. Ah, là, il faut récupérer la balle, la sécuriser, essayer de revenir dans leur camp le plus rapidement possible. Et c'est ouais, Ronan Defienne qui capte ce ballon sur l'aile. Ah, la passe qui est mal assurée, mais on récupère la balle et il y a des espaces maintenant sur le côté avec Hervé Goulois qui repique intérieur. Et les soutiens, et malheureusement, en avant du joueur de Florac. Ça sera une mêlée pour nous. Voilà, beaucoup d'explications entre l'arbitre de champ et les arbitres, même les joueurs, ça discutait beaucoup. C'est l'entraîneur de Florac qui contestait un peu le choix. Donc l'arbitre hein, qui se fait respecter aujourd'hui, qui n'hésite pas à beaucoup parler avec les joueurs, avec les entraîneurs. Donc mêlée pour nos joueurs, dans nos 50 mètres. Ah,
Alors voyons voir cette mêlée. Les dernières étaient plutôt disputées. Hein. Ça va, on tient, ça. On peut lancer le jeu sur l'extérieur. Ouais, il y a des espaces. Ronan qui récupère la balle, qui va peut-être y aller. Allez, sur un contre un. Super, il prend vitesse tout le monde. Décroché, ouais, bravo, superbe, superbe. Exploit individuel là, de Ronan Defienne qui dépose complètement la défense de Florac. Ah, c'est super ce qu'il vient de faire. Hein. C'est comme la semaine dernière, nos trois quarts qui mettent notre équipe dans l'avancée, qui permettent à nos joueurs de mener la 8 à 3 en attendant la transformation, sûrement 10 à 3. Hein. En face des poteaux, c'est une formalité pour notre buteur. Bravo Ronan Defienne, hein, qui a fait parler ses qualités de vitesse et de duel. On l'a vu, il a déposé trois joueurs, un raffut à la fin. C'est super. La transformation. Ah, qui passe. Là, on mène 10 à 3. Allez, la rentrée de. Des deux cartons jaunes, Kylian Frelon et du. T'as des mots à dire ? Ah, t'as des mots à placer ? Bible n'est pas plus. Ah, Ronan Defienne, hein, qui fait partie de notre équipe 7, on le rappelle. Voilà, c'est un peu compliqué hein, sur les ballons, sur les coups d'envoi. On n'arrive pas à gagner nos ballons. Voilà, ce joueur qui vient tranchant, mais bien blaqué par Sylvain Bocchio. Mais malheureusement, qui n'arrive pas à s'enlever du ruck, qui gêne la libération de la balle. Avantage pour Florac. Voilà, non, ça ne profite pas. La passe était mauvaise. Donc, pénalité pour Florac. Ils vont peut-être la jouer rapidement. Hein. Et non. On fait mal à ces joueurs de Florac, on en a vu quelques-uns au sol. Là encore, ce joueur qui se plaint après le beau plaquage de Cilia, mais malheureusement, il s'est pas dégagé à temps du ruck. Ils prennent les points, les joueurs de Florac, pour essayer de recoller au score. Après 20 minutes de jeu, on mène 10 à 3. Après ce super baissé, un match qui a mis du temps. Qui a mis du temps à commencer. Hein. On a beaucoup d'arrêts de jeu. Donc nos deux équipes qui sont retournées à 15 contre 15. Il y aura un peu moins d'espace hein, sur le terrain maintenant. Allez, la transformation de Florac qui passe aussi, donc 6 à 10. C'est dans le foie, ça. C'est pas le foie, ça. Oui, pas loin. Renvoi, on met beaucoup de pression avec Beka. Avec un super plaqueur, hein, on le sait bien. Point de fixation avec ce joueur de Flora qui fait exprès de rester dans ses 22 mètres pour ensuite sûrement mettre du pied, mais on les gêne hein, dans les rucks. Ballon qui est sorti, qui va être dégagé directement en touche. Ouais, directement en touche. Alors, donc ça va être une touche pour nos joueurs dans nos 50 mètres. Alors un bon lancer. Les touches pour l'instant n'étaient pas. On a eu un peu de difficulté sur la connexion entre le bloc saut et le lancer, donc à voir. Alors quelle zone on va choisir? Ces joueurs de Flora qui physiquement sont là, ils sont grands, ils sont plutôt gaillards. On va prendre milieu. Ah malheureusement, on perd, on lobe de peu notre alignement. On perd encore cette touche, on met de la pression. Bon plaquage.
Interception! Et l'interception de Mathis Rapon qui va aller au bout! Oui, qui va aller aplatir, bravo, bien! Bonne lecture défensive là de notre centre Mathis Rapon pour cesser l'interception. Opportuniste hein, un peu nos UBJ sur cette action, mais c'est grâce à la bonne pression. 15 à 6 avant la transformation. On arrive à recoller au score directement après avoir pris des points. Recoller au score, à remettre des points après en avoir mis. Donc c'est bien avec deux essais, une interception et la superbe action de Ronan tout à l'heure. La transformation, un peu compliqué encore là de Romain, mais il en a mis une au même endroit, mais un peu plus lointaine tout à l'heure. Donc espérons qu'il la convertisse aussi. Il est droitier, hein, donc il a l'angle fermé là sur cette transformation. Allez, poteau non rentrant. Ah, donc on reste à 15 à 6 pour nos joueurs. Deux essais à rien. Ah, là, faut récupérer la balle, faut être propre. Hein. Faut être propre, depuis le début du match, on a un peu de mal hein, sur ces ballons. On est beaucoup mis sous pression. On a perdu deux ballons, il me semble, sur les coups de renvoi. Donc sécuriser le capteur de la balle avec des soutiens. Ah, les renvois qui sont courts, hein, du coup, ils permettent de mettre... Il met de la pression, mais c'est capté là par Kevin Mousseau. Nos soutiens sont là, on a la balle. Et on va faire un coup de pied. Là. Ouais. Coup de pied de dégagement de Rémi Gillier. Et joueur de Flora qui échappe la balle, mais dans son camp. Et là, faut le plaquer de joueur hein, qui met un gros impact là sur Ronan, mais c'est bien plaqué, il fait tomber. Hors jeu. Hors-jeu, avantage pour hors-jeu, signalé par l'arbitre. Il faut les plaquer, il met... l'avantage qui est converti en pénalité là pour Floirac, il me semble que c'était un hors-jeu. Alors, on fait beaucoup trop de pénalités hein, dans ce début de match. Touche pour les Floraquiers là dans nos 22 mètres. On les a vus tout à l'heure, ils ont fait un bon mol, même sur nos 5 mètres. Hein. Sur nos 5 mètres, c'est belle touche trouvée pour Florac. Il faut absolument être sur le mol, hein. Faut pas les faire avancer. On a les joueurs pour, hein. Kylian Frelon, Marius Delanca, Beka, Bibi, enfin tout le pack de devant, hein. on est solide et... On ne doit pas prendre CC. Ouais, ils ont essayé de faire une tactique, mais on avait contré la balle, mais on l'a fait. C'est BK, hein, il me semble qu'il avait contré la balle, mais on l'a fait en avant. Donc ça sera une mêlée pour Floirac, toujours sur nos 5 mètres. Ouais, grosse mêlée là, super importante, essayer de récupérer une pénalité. Pour éviter que cette équipe de Florac mette leur jeu en place, parce qu'à 5 mètres, c'est toujours compliqué de défendre. Hein. On n'a pas vu beaucoup de jeux pour l'instant du côté de Florac. Pas mal de ballons oubliés, des passes mal ajustées, mais on ne sait jamais. Hein, ils ont tout de même des qualités, ces joueurs. Aïe, ouais, c'est notre axe droit de la mêlée là qui. L'axe gauche de la mêlée de Florac qui a pris le dessus sur nous. Ah, c'est pénalité pour Florac. Voyons voir le choix de l'arbitre. Oh, le choix de l'arbitre, le choix de Florac, ils reprennent la mêlée. Logiquement, ils dominent en ce début de match.
faut absolument les bloquer. Hein. Être bien bas, gagner l'impact. Théo Joubert, hein, qui est habituellement joue souvent talonneur. Hein. Et là, qui est repositionné pilier gauche. Et là, c'est bien, bravo. Bravo. Bonne mêlée. Et le grattage, non, de... Ouais, super. Superbe, Mathéo Blanchet, il me semble. C'est Mathéo ou Marius ? Ah, c'est Mathéo, il me semble. C'est Mathéo. La semaine dernière, il avait déjà gratté deux ballons. Et là, il en regratte un. Il est bon, hein. On sait, numéro 10, hein, mais qui n'a pas peur de mettre les bras là où il faut. Ah, et qui va dégager notre équipe, hein. Bravo. On n'a pas pris de points, ils étaient à 5 mètres, une touche et des mêlées, mais c'est bien défendu. On dégage notre camp, hein. Mais touche pour nos joueurs, juste avant nos 40 mètres. Donc, histoire de respirer un peu. Bientôt la 30e minute, hein, il fait chaud. C'est, en plein soleil, il doit faire une petite vingtaine de degrés. Donc, peut-être le début des chaleurs. Ah, touche pour nos joueurs, voilà. Elle est captée, c'est bien. On va mettre du jeu avec Kevin qui fait un point de fixation, qui avance. C'est bien, les soutiens qui sont là, qui est encore, on repart au ras. Et Mathéo Blanchet qui dégage notre camp, Florac, le joueur de Florac qui fait un bon coup de pied dans le couloir des 15 mètres. Mathéo qui relance. On connaissait dommage. On connaissait ses qualités de relanceur, mais il a percuté un de nos joueurs. Malheureusement, ouais, c'est un écran, donc il me semble que c'est une mêlée. Voilà, mêlée pour Florac. Mêlée pour Florac, mais c'est dommage. On avait vu une belle relance là de Mathéo. On connaît ses qualités, hein, lui aussi qui fait partie de notre équipe de rugby à 7. Ah, ouais, c'est Gontran Bisserier au loin là qui a l'air de se plaindre. On l'a pas bien vu, hein, j'ai pas bien vu sur l'action. C'est la cheville, il se replace. Il se replace, il n'a pas l'air de boiter. Gontran guerrier, il va serrer les dents, on le connaît. La dernière mêlée avait été super bien réalisé par nos joueurs, donc voyons voir celle-là. Au centre du terrain, 50 mètres, dans l'axe des poteaux. Beaucoup d'ouverture de jeu là pour Flora qui peuvent partir des deux côtés. Ah, on était bien bas. Ah, l'arbitre qui arrête le jeu. La mêlée était pas stable. Ah, plus que 9 minutes, hein, dans cette première mi-temps. On voit des joueurs s'échauffer là, côté UBJ. Sûrement des remplacements à la mi-temps dû au fait que certains de nos joueurs doublent avec l'équipe première aujourd'hui. Ouais, on va la mêlée, ouais, qui est bien. On avance, on continue à avancer, bravo. Ah, malheureusement, on n'est pas récompensé. Et petit coup de pied de la part de Florac. On récupère la balle, Rémi Gillier qui va dégager son camp, mais qui est hors jeu. On peut récupérer la balle et... Et il y a un en avant de Florac. Ah, le ballon était contré, donc il y avait plus de hors jeu. Et Florac qui a fait un en avant, donc on repart encore sur une mêlée à peu près au même endroit. Et cette fois c'est pour nous, on pourra avoir les deux côtés pour attaquer. Voilà, la mêlée,
Ouais, mais elle est compliquée hein, là pour nos joueurs. Mais on récupère la balle, pas de pénalité, c'est bien. Les soutiens qui... Ah, malheureusement, on est empêché à lutter. Mais avantage pour nous, pénalité. Ah, il y a beaucoup de fautes hein, des deux côtés, des fautes de main, des pénalités. Mais on a réussi à marquer à deux reprises hein, par cette interception et cet exploit de Ronan. Et là, on va pouvoir aller en touche. Ah, Mathieu Blanchet qui a juste une touche. Ouais. Il était sur les 50 mètres et il trouve une touche un peu après les 40 mètres de Floirac. Ah, faut essayer de mettre du rythme. Hein. Là, le jeu qui est très haché, on ne voit pas beaucoup de séquences de jeu, mais dès qu'on les a mises, on a marqué. On a avancé, donc avoir d'abord cette touche. On a eu un peu de mal, la dernière a été bien captée. À quelle zone? Alors on prend le milieu avec Marius qui capte bien et on construit un molle. Alors on le construit patiemment dans un second temps à avancer peut-être. Voilà, l'arbitre qui signale le premier arrêt. Voilà, c'est éjecté de la part de Romain Monserron qui fait un point de fixation. Et Mathis Drapeau qui a percé le break. Et super passe pour Mathieu Blanchet. Oh, bravo à la Chissera pour Rémi qui avance et qui marque. Bravo. Ah, superbe action encore. Superbe action. On voit que quand on est dans l'avancée, on arrive à se trouver. Des passes après contact. Ah, et un joueur de Floirac là, qui semble être KO. Malheureusement, je crois que c'est sur le plaquage, hein, sur Rémi Gillier à la fin. Mais voilà, on a vu nos joueurs voilà, avec des courses tranchantes, beaucoup de soutien. Encore un bel essai, Chissera là, de Mathieu Blanchet pour Rémi. Et Rémi qui gagne son duel et qui va marquer en force. Le joueur de Floirac qui n'a pas l'air bien, qui avait été signalé par l'arbitre juste après l'essai. Alors on voit des joueurs de Floirac à genoux qui ont mal. Donc ça veut dire qu'on est puissant. On leur met, on a des joueurs physiques, hein, c'est plutôt dense. Ah, donc ça permet à nos joueurs d'avoir une petite pause fraîcheur, mais on pense bien sûr aux joueurs girondins là qui a pas l'air vraiment de se relever. On ne sait pas si c'est un KO ou une blessure. En tout cas, il n'a pas l'air bien malheureusement. Alors, on a une pensée pour notre joueur espoir qui s'est malheureusement fait une commotion cérébrale la semaine dernière, Isaac Ibrahim. Alors, on espère qu'il reprendra le plus rapidement possible. En tout cas, pour les phases finales, ça c'est sûr. Mais ah, il se relève. Non, c'était pas une commotion. C'était un problème à la jambe. Là, c'est la cheville, genou, on ne sait pas trop. Mais ouais, malheureusement, ce joueur qui sort. Voilà, donc nos joueurs qui mènent 20-26 avant la transformation, il me semble. On va s'en compliquer, mais voilà, on met du rythme, il faut absolument mettre du rythme. On se trouve et on mène 3 essais à 0. Pour l'instant, on est dans le bonus offensif, ce qui serait super hein, de ramener un bonus offensif d'ici, à minima la victoire, on espère. Et avec le bonus offensif, ça serait du luxe. Voilà, transformation de Romain Monserron. Pour l'instant, il a eu un échec là. Sur le précédent essai, il a tapé le poteau, mais la transformation était compliquée dans l'angle fermé. Il a le vent avec lui, le vent qui s'est mis un peu à souffler hein, dans cette première mi-temps. Et la transformation qui passe, donc 22-6 pour l'UBJ. Plus que 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Renvoi de Floirac qui est encore très court. Hein. Et ça va aller directement en touche.
Voilà, il ne cherche pas à faire des renvois longs. Hein. C'est très court pour essayer de directement mettre de la pression et disputer. Et on prend la touche. On prend la touche côté UBJ. Touche qui sera au niveau des 50 mètres, comme l'indique l'arbitre. Donc on espère encore une rampe de lancement. On a vu nos trois quarts à l'œuvre. Alors on peut capter cette balle et mettre de l'avancée. Ah, Sylvain Bocchio lancé. On va choisir le fond de touche, mais c'était bien lu par Floirac qui récupère cette balle. Et il me semble qu'il y a un en avant. Ouais, un avant de l'UBJ mêlé pour Floirac. Mêlé pour Floirac dans leur camp. Ouais. Mais malgré ce pauvre jeu qu'on a eu en première mi-temps, on a quand même réussi à mettre trois essais. On a été très efficace. Avec une bonne lecture défensive sur l'interception. Ce sera sûrement la dernière mêlée de la première mi-temps. Et la mêlée qui part un peu en crabe. Avantage pour Floirac. La mêlée de Floirac qui avance. Ils vont sûrement profiter. Non. Ouais, malheureusement, l'arbitre qui met la main à la poche, ça va être un carton jaune. C'est un carton jaune pour notre pilier gauche du jour, Théo Joubert. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait plus joué pilier gauche depuis le match aller contre Floirac. Et il double. Il jouera le match. Il sera remplaçant pour le match d'équipe première. Ouais, on a des petits problèmes au niveau des piliers en ce moment en équipe première, malheureusement. Donc c'est le joueur qui sera obligé de doubler. Voilà, et donc. Antoine Tomaso qui se prépare à rentrer s'il y a une mêlée. Alors, il reste une minute, faudrait pas qu'on se prenne un essai juste avant la mi-temps, ce serait dommage après cette bonne première mi-temps. Voilà la touche de Flora qui n'a pas l'air droite, hein. Ouais, non, okay. C'est sifflé par l'arbitre, pas, touche pas droite. Donc on va repartir encore sur une mêlée ou sur une touche, ça dépend du choix de nos joueurs. Ouais, on va partir sur une touche. Et dernière minute, hein, sûrement qu'on va envoyer le ballon en touche pour. Ouais, lancer. Ah, malheureusement, pas capté par notre joueur. Ouais, on a un peu une carence en ce début de match, cette première mi-temps sur la touche, sur la conquête en général. Mais ouais, là des gros plaquages, hein. Là un superbe plaquage à deux. Et Flora qui fait échapper ce ballon et pénalité encore contre nos joueurs. Un hors-jeu qui est signalé par l'arbitre. Flora qui vont prendre la touche, non, qui essaie de jouer rapidement, mais non, c'était la touche qui avait été choisie. Là, il faut absolument soit contrer la balle ou être très présent en dessous. On est un de moins devant. On est un de moins devant, donc espérons qu'on arrive à bien stabiliser ce molle et récupérer la balle. Alors c'est contré par nos joueurs, on récupère la balle. Ouais, tant mieux. Tant mieux. Et ballon qui est récupéré, malheureusement, par l'équipe de Floirac. Les soutiens n'étaient pas assez présents et encore un avantage signalé par l'arbitre. Ah, Flora qui écarte. Là. Interception encore, mais ouais, il y avait un avantage. L'arbitre qui retourne à l'avantage. C'est dommage. On récupère ces ballons, mais on arrive. Mais on se prend cette pénalité. On manquait de soutien. Le ballon qui a été gratté. Voilà, et Flora, le choix.
les entraîneurs qui demandent de prendre la mêlée. Voyons voir ce que les joueurs en pensent. Ils prennent la mêlée aussi. Ils prennent la mêlée aussi, donc ce sera l'entrée de notre pilier gauche remplaçant, Tommaso. Et c'est Rémi Gillet qui sort. Espérons que Cantona arrivera à stabiliser cette mêlée. C'est un travail collectif. Mais un joueur peut tout de même faire changer la balance, hein, on le sait. Ah, mais elle est très dangereuse dans notre camp, dans nos 5 mètres. Ça fait 3-4 minutes là, qu'on enchaîne les touches et un peu les mêlées là, dans notre camp. C'est la 40e minute, il faut qu'on récupère la balle et s'en débarrasser le plus rapidement possible en touche pour aller en mi-temps. Hein, pour essayer de surtout pas se prendre d'essai. On mène 3 essais à 0, on a toujours le bonus. Et ça s'écroule. Ouais, l'arbitre qui pénalise nos joueurs. Ah mais. Ouais. Flora qui reprend la mêlée. Alors faut qu'Antoine ne se fasse pas encore pénaliser. Il faut garder cette balle, il faut récupérer la pénalité. C'est la 44e minute de jeu. C'est la première mi-temps qui met du temps. Hein. On a eu beaucoup d'affrontements en mêlée, des molles. Et là c'est le. Ouais, non, bon. Bon, l'arbitre qui signale encore une pénalité, mais. Je n'ai peut-être pas. Je suis pas du même avis. Hein. Pour moi, c'est le pilier droit, le Florac qui tombe. En tout cas, Florac qui a toujours un avantage encore en cours sur la mêlée. Et il joue dans le petit côté, il se débarrasse un peu du ballon au pied. Ça va surtout sûrement repartir sur un avantage. L'entraîneur qui demande encore la mêlée. Sur les dernières mêlées, deux fois que ça s'écroule. Faut garder ses joueurs hauts. L'arbitre qui parle au capitaine. C'est un travail collectif, faut être tous ensemble. Faut mettre un gros impact, être le bas, ne pas subir, ne pas bouger. Et après, dans un second temps, avancer. Bon impact là d'Antoine et là c'est le pilier. Non, c'est le pilier droit. Ouais. C'est le pilier droit de Florac clairement qui tombe sous la pression. On a vu un bel impact d'Antoine et là un joueur de Florac là qui reste au sol et qui se relève. Qui s'est fait un peu mal au cervical. Là. La mêlée qui s'est écroulée, il a l'air d'avoir mal. Faut faire attention hein, à ces situations. Voilà, on a tapé en touche. On l'a tapé en touche et c'est la mi-temps. Donc 22-6 pour cette mi-temps. On mène 3 essais à 0. C'était plutôt décousu, mais on a su mettre des essais quand il fallait. On était très efficace et on se retrouve pour cette deuxième mi-temps. Hey, toi là. Oui, toi. Toi qui regardes les matchs en direct. Tu veux des places pour les matchs? Tu veux des goodies? Tu veux des moments uniques avec les joueurs? Alors, abonne-toi! Abonne-toi? C'est gratuit. Sinon, nous venons chez toi!
Hey, toi là. Oui, toi. Toi qui regardes les matchs en direct. Tu veux des places pour les matchs? Tu veux des goodies? Tu veux des moments uniques avec les joueurs? Alors, abonne-toi! Abonne-toi? C'est gratuit. Sinon, nous venons chez toi. Allez, on se retrouve pour cette deuxième mi-temps. On retrouve pour cette deuxième mi-temps pour ce match espoir de la 21e journée entre Florac et notre équipe de l'UBJ. On mène 22 à 6. Donc merci à tous les téléspectateurs. N'hésitez pas à vous abonner. On remercie les 1100 abonnés à peu près sur notre chaîne YouTube.
Voilà, et le renvoi qui est capté. Hein. Court renvoi, capté par Beka. On récupère la balle directement avec Marius, qui fait une passe en plus pour Sy, hein, qui met un bel impact. Il faut trois joueurs de Flora pour le plaquer. Là, on revient de cette mi-temps avec, avec beaucoup d'envie, hein, beaucoup d'envie d'avancer, de faire du jeu. Ah, ouais, malheureusement, de courte durée, le jeu qui est arrêté en avant, signalé par monsieur l'arbitre. Ce sera une mêlée pour Florac dans leur camp. Et on remercie Sébastien Lassène qui nous a fait une superbe caricature de notre réalisateur GG avec sa superbe. Ouais, avec ses dreadlocks. Ouais. Il a fait avec ses dreadlocks. Ouais, c'est fantastique, il arrive à faire ça avec trois cheveux. C'est du travail. La semaine dernière, il avait fait une superbe couette et là, il nous fait une dreadlock. Donc j'espère qu'il se filmera pendant le match pour nous montrer ça parce que c'est fabuleux. Bravo à lui. Alors, on le rappelle, on est encore à 14 contre 15. Notre pilier gauche, Théo Joubert, qui avait pris une pénalité. Mêlé pour Florac, qui est plutôt stable, qui se relève dans un second temps. Ouais, on a vu le côté droit de Florac qui s'était relevé. Et, ouais, superbe, bonne pression là, d'Octave Bloss dans un second temps. Ouf. Bon plaquage là, de Marius sur le pas. On met de la pression, il se débarrasse du ballon, on la récupère avec Gontran. Et l'arbitre qui siffle, qui laisse pas l'avantage se jouer. Qui laisse pas l'avantage, on avait de l'espace. Ça aurait pu aller à Dame, mais malheureusement l'arbitre qui siffle. C'est mêlé pour nos joueurs au même endroit où avait lieu la mêlée précédente. Ouais, Antoine là, qui a l'air de se plaindre un peu, mais... un coup à la tête peut-être. Et Rémi Gillier qui re-rentre. Donc il me semble qu'on est retourné à 15 contre 15. Ouais. Il me semble, pas de changement entre la première et la deuxième mi-temps, à part Théo Joubert qui a... Ah si, il y a Florian Bretonnet qui est rentré. Florian Bretonnet qui est rentré à la place de Lulu parce que Lulu double aussi. Donc voyons voir cette deuxième mêlée. La première avait été plutôt stable. Voilà, très bas, Florian qui est très bas. Ouais, on recule un peu, pilier gauche qui sort sa tête de la mêlée, mais ça l'arbitre ne dit rien. Et on ne se trouve pas, il faut garder cette balle. Malheureusement, Rémi Gillet qui saute dessus mais qui ne la contrôle pas et le ballon. Qui est envoyé au pied, donc l'avantage sur un avant s'annule. Et Mathéo Blanchet voilà, qui sort de son camp avec un bon coup de pied. Hein, il était sous pression, il a réussi à trouver une touche hors de nos 22 mètres. Malheureusement, on a échappé cette balle et on a été mis sous pression directement. Hein. Les deux équipes qui mettent un peu plus de rythme, un peu plus d'envie qu'en première mi-temps. Allez, la touche qui est lobée, récupérée par Cylien, qui va aller tout droit, il faut des soutiens, voilà, les soutiens sont là. Le ballon qui sort vite avec Kylian, notre très gros porteur. Bravo Kylian qui break, on garde la balle avec Marius, qui envoie les trois quarts et le surnom, malheureusement, on ne lâche pas cette balle. Et pénalité pour Floirac, mince. Moi je les soutiens qui sont pas été assez efficaces et malheureusement. Il y a Kylian là qui reste au sol, qui a fait un super break, qui a avancé 30 mètres. Ouais, je pense que le souffle a été coupé, mais notre guerrier, hein, guerrier charentais qui est passé par le Canada, qui regagne, qui se relève et qui. Voilà, touche pour Florac, belle touche trouvée par le buteur de Florac dans nos 40 mètres. Voilà, c'était une superbe action, on voit que
quand on prend de la vitesse et avec nos joueurs surpuissants, on arrive à avancer. Il y a toujours Flora qui avait été lobé. Ils ont un peu de déchets aussi hein, dans leur conquête. En touche, c'était compliqué, sur certaines mêlées aussi. Et la touche là qui est encore une fois lobée, Cilien qui garde la balle et qui feinte la passe et qui trouve Kevin Mousseau qui était au soutien. Des rucks efficaces, c'est bien. Cilien qui encore garde la balle, qui fait. Ah bravo! Superbe passe sur le pas. Rémi Gillier qui reste sur le terrain et dommage, Ronan qui va en touche. Mais c'est bien, on met du rythme, on arrive à se trouver. On a des cannes, des passes là sur le pas. Cilien qui fait une petite passe en plus et Mathéo sur le pas qui arrive à trouver Rémi qui a mis beaucoup d'avancées. Non, c'est bien, avec des bonnes intentions dans ces 6 premières minutes là, de cette première mi-temps. On met du rythme, on avance. Et on met à mal hein, cette équipe de Florac en défense et en conquête aussi. Le jeu qui peut reprendre. Voilà, ils vont raccourcir, ils vont faire une touche devant. Et là, ouais, superbe. Superbement. Ah, hors-jeu. Ouais, ouais. Hors-jeu signalé par M. l'arbitre de notre numéro 12 de notre centre, Mathis Drapeau. Ça a été signalé. Donc, pénalité à l'endroit où le joueur a été signalé hors-jeu. Donc, juste à l'entrée des 22 mètres de Flora, qui vont pouvoir se dégager. Et ils vont trouver. Ah, ils vont trouver la touche. Mathéo qui avait le pied sur la ligne. Touche pour Florac. Donne aux 40 mètres, encore une fois. La touche, superbe touche trouvée. Superbe touche trouvée de la part de Florac. À l'alignement. Ils vont sauter devant, derrière. Ah, ce serait une touche au fond, mais pas droite, hein, non, pas droite. Pas droite la touche de Florac. Donc on va repartir soit sur une touche ou soit sur une mêlée. Voilà, on va prendre la touche. On va prendre la touche. Touche pour nos UBJistes là, au lancer Cilien Bocchio. Dans nos 40 mètres. Voilà, à son droit là, tout à l'heure, on a fait une touche et on a bien breaké avec Kylian, avec le relais après de Marius. Donc espérons faire des mêmes. Voilà, on a la balle. Allez, Mathéo Blanchet qui s'en débarrasse au pied, avec en beaucoup de pieds. Là, faut le plaquer, malheureusement. Et on l'envoie en touche. Ce sera pour nous. On récupère la balle. Donc encore une nouvelle touche pour nos joueurs sur notre ligne des 40. Beaucoup de discussions encore entre les joueurs de Florac et l'arbitre. C'est pas la première fois. Voilà. Et on va chercher Gontran et la déviation qui est un peu compliquée, mais on a toujours la balle. Romain qui. Voilà, ouais, c'est bien, des bons soutiens. Il faut repartir avec un point de fixation. Des soutiens qui sont présents. Voilà, encore un point de fixation. Et Cilien qui met de l'avancée, qui trouve encore Gontran, malheureusement, qui échappe la balle. Et on les met sous pression. Rémi, il faut le plaquer. Il ne faut pas le pousser, il faut le plaquer. Ok. Il arrive quand même à faire de la passe au joueur de Florac. Et là, faut pas rater ces plaquages en. Oh, ouf, ouais. Plaquage sans les bras, carton jaune. Carton jaune pour notre numéro 4, Marius Delonca. Qui plaque avec l'épaule. Alors, on leur met bien la pression, mais il faut les plaquer là. Quand on leur met la pression comme ça. Là, il bénéficie encore d'une pénalité. C'est le troisième carton jaune contre nos joueurs dans ce match. Donc 30 minutes à 14 contre 15. S'il y a une petite inquiétude, mais il se replace.
Et il la joue rapidement. Il la joue rapidement, il voit un espace dans le R2. Ah, c'est super bien joué. Et ils échappent la balle, mais on la garde. Il faut plonger sur cette balle-là. Il faut plonger dessus, il faut rester sur le terrain avec des soutiens. Des soutiens, c'est bon. Les soutiens sont présents, mais là, on va pouvoir dégager. Ouais. Avec Mathéo Blanchet qui va pas trouver la touche. Et là, faut être présent au milieu du terrain. Il y a des espaces. Faut faire l'effort au milieu du terrain. L'ailier, cet ailier qui va très vite, qui presque nous transperce, mais c'est bien récupéré. Et en avant. En avant de Florac dans ce ruck. Mais ouf, que c'était chaud. Il y avait des espaces au milieu du terrain. Heureusement, on récupère cette balle sur un énième en avant de cette équipe de Florac. Mais cette pénalité qui a été jouée rapidement avec un petit coup de pied sur le R2 qui a été bien vu hein, de la part du numéro 10, il me semble. Il nous a mis un peu en danger, mais on est bien revenu. Heureusement, on n'a pas pris de points, on prend pas. Voilà. On récupère même la balle sur la mêlée. Et Théo Tartre Kylian qui reste un peu au sol. Et Théo Tartre qui se prépare là sur le bord du terrain. Et nos joueurs qui sortent à l'échauffement. Nos joueurs de l'équipe première qui sortent à l'échauffement. Voilà, et on repart. Mêlée pour nos joueurs dans nos 22 mètres. Mêlée importante, surtout ne pas faire de faute. Conserver la balle et soit sortir du camp ou autrement relancer. Hein. On connaît nos qualités. Malheureusement, mêlée là, pénalité pour Florac. On subit. Ouais, c'est un secteur de jeu là qui nous fait défaut sur ce match. Malheureusement, on concède la pénalité. S'ils vont prendre les points à la touche, il me semble qu'ils vont prendre la touche. Ouais, il faudrait qu'ils. Ah non, ils vont la jouer rapidement. Et la touche, c'est pas être une grande rampe de lancement pour eux aujourd'hui, donc avec leurs joueurs puissants, il faudrait être au combat directement. Ouais, c'est très bien. Très bon plaquage d'Octave qui met bien la pression. Et le ballon qui n'est pas gratté. Et ils repartent petit côté avec le numéro 7 qui croise. Alors, on leur met la pression, ils gagnent pas de terrain, on les garde en l'air. Voilà, on met de la pression, mais on a encore signalé hors-jeu. Il faut les plaquer. On monte fort, mais il ne faut pas oublier les soutiens à l'intérieur et à l'extérieur. Ouais, gros impact là sur Gontran. Toujours l'avantage hein, sur un hors-jeu. Et Florac là, qui est dangereux sur l'extérieur qui marque, même si l'arbitre de touche avait levé son drapeau il me semble, mais essaie de Florac là sur l'aile. Ouais, on est à un de moins, il y a plus d'espace sur le terrain, ils en ont profité. Ouais, 11 à 22 là toujours pour nos joueurs. Transformation qui sera compliquée là pour Florac, mais malheureusement contre cet essai, ouais, on a été. On a pourtant bien défendu, bien mis la pression, mais sur le retour intérieur, on n'était pas assez lucide pour défendre. Voilà, Flora qui revient au score. 11 à 22 avant cette transformation. Ouais, malheureusement avec ces cartons jaunes là on leur laisse des espaces sur le terrain. Ils en ont profité.
cette équipe de Florent qui n'était pas trop à l'offensive hein, depuis le début de match, là sur cette attaque a réussi à nous mettre à mal. Et cette transformation qui a la distance mais pas la précision. Tant mieux pour nous, on reste à 11 à 22. Et c'est pour Florac, Florac 11, UBJ 22. Là sur le renvoi, il faut être présent. On est présent en dessous, mais plaquage sans ballon. Excès d'engagement là, de notre numéro 6 BK, on le connaît. Hein. On le connaît, c'est un sacré plaqueur et il n'a pas attendu que le ballon atterrisse dans les mains du joueur qu'il avait déjà plaqué. Mais il montre l'exemple, hein. C'est bien d'avoir un engagement comme ça, mais bon, c'est mieux quand le mec a le ballon dans les mains. Mais ça fait encore une pénalité contre nos joueurs, on n'a pas la statistique, mais ça fait au moins peut-être la dixième pénalité contre nos joueurs. Et les changements, notre talonneur Sylvain Bocchio qui sort, remplacé par Paul Buch, et notre numéro 9 Romain Monceron, remplacé par Romain Fort. Romain Fort, joueur qui est en double licence avec les espoirs du SA15 et avec notre équipe. Un très bon joueur. Qui a été titularisé avec les espoirs du SA15 et qui joue avec nous aussi de temps en temps quand les espoirs du SA15 ne jouent pas. Voilà, et là, prise du milieu de terrain par leur numéro 12. Et là, ce ballon qui est gratté, ouais, on a récupéré la balle. Bravo. Allez, Mathis Drapeau qui. On garde la balle. Ouais, Mato Blanche. Ouf. Il y a un peu de cafouillage, encore un cafouillage, on perd encore la balle. On s'y retrouve pas trop là. Voilà, Octave qui récupère. Ouais, bon. Avantage terminé, en avant de nos joueurs. Il faut absolument garder ces ballons, hein, surtout dans notre camp. Faut pas les lâcher comme ça. C'est des ballons donnés trop gratuitement, trop rapidement. Il faut être plus propre. Nouvelle mêlée, ça avait été compliqué la dernière mêlée, ça avait permis à Florac de jouer rapidement cette pénalité, ce qui en est suivi cet essai, l'essai de Florac. À 57e minute, 58e minute de jeu ici, le temps qui s'est couvert un peu, on n'espère pas trop de pluie pour le prochain match, et pénalité pour nos joueurs, le pilier gauche, c'est le pilier gauche de Florac qui amène directement en sol. Il n'a pas l'air d'accord avec la décision de l'arbitre, mais l'arbitre a toujours raison. Voilà, on sort de notre camp, proprement une touche assurée, trouvée dans nos 40 mètres. Dans nos 40 mètres, ça sera un premier lancer là pour Paul Buch. Il faut le mettre en confiance. Il faut qu'il se mette en confiance. Le vent hein, le vent qui s'est levé. Le vent qui s'est levé. On est contre le vent là dans cette deuxième mi-temps. Les gradins qui commencent à se remplir petit à petit, un peu plus de monde. Le ballon qui est capté, mais le lanceur qui n'était pas droit, qui était légèrement de notre côté. Voilà. Et le carton jaune qui re-rentre, Marius Delonca, et la sortie de notre numéro 5, Kylian Frelon, remplacé par Théo Tartre, qui a mis beaucoup d'impact. Il a notamment breaké, hein, il fait parler sa puissance toujours. Notre solide deuxième ligne. Charenté canadien. Ouais, donc là, ça sera aussi la première mêlée avec Paul Buch en talonneur. Talonneur qui est un peu secret hein, pour les mêlées. C'est lui qui met l'impact, c'est qui dirige la mêlée. Il faut bien qu'il soit serré avec ses premières lignes. À Florian Bretonnet qui est très bas. Voilà. Et là, oui, bravo. Là, on prend totalement l'ascendant. Ouais. Sur le côté gauche, là, Antoine Tomaso qui a fait un gros travail.
qui a fait un gros travail avec l'entrée de Paul Buch qui est malheureusement. Ouais, là c'est Florian. C'est Florian qui a mal mais qui se relève. Ok, l'arbitre qui avait sifflé d'appeler les médecins, mais non. Il se relève. Et ouais, super mêlée. Super mêlée là, le côté droit de la mêlée Flora qui a été ouvert en deux. Bravo à nos joueurs. C'est un peu étrange hein, dans ce match, une mêlée sur deux, on domine, on n'arrive pas à être stable sur toutes les mêlées ou à avancer sur toutes les mêlées. Mais en tout cas, ça fait une pénalité pour nos joueurs là, dans les, sur la, à peu près la ligne médiane. À touche trouvée, ouais, trouvée par Matteo Blanchet à l'entrée des 22 mètres de Florac. Deuxième touche pour Paul. À 60e minute, on mène toujours 22 à 11. On est à un point, un essai du bonus offensif. Et une touche au fond, superbe touche. Bien captée par Becker, on peut lancer le jeu. Ouais, avec Octave, superbe impact. Joueur très puissant. Romain qui éjecte pour nos trois quarts. Ouais, superbe. Et on trouve encore Renan. Renan qui sort pas en touche, hein, qui reste sur le terrain, qui fait l'effort. Et le ballon qui est gratté. Ouais, les soutiens qui étaient un peu tardifs. Ballon gratté. Tiens, les gars ! Voilà, c'était un peu notre défaut aussi aujourd'hui. Hein, sur les soutiens dans la rue, qu'on a été gratté plusieurs fois. Malheureusement. Et là, c'était un bel effort là, de nos trois quarts. Et il la joue rapidement pour faire un coup de pied au centre du terrain. Qui nous remet un peu sous pression. À voir ce qu'on en fait. Rémi qui essaye le coup de pied par-dessus, qui est contré. On récupère la balle. Là, il faut encore des soutiens. Il faut des soutiens rapides. Ok, c'est bon. C'est conservé. Paul Buch, il ne faut pas partir tout seul. Voilà, et on décide de la jouer avec Hervé Goulois. Et on repart là, on est un peu seul avec Mathis Drapeau, mais on a toujours la balle. Il faut la sortir là, on nous met sous pression. On fait des petites passes en plus et un peu d'incompréhension. Et l'arbitre qui siffle. Qui siffle quelque chose. Ouais, les joueurs de Flora qui parlent. Qui parlent un peu avec l'arbitre, on l'a vu hein, depuis le début du match. Ils contredisent un peu les choix. Et donc l'arbitre qui sanctionne cela, qui va parler au capitaine, qui va demander aux joueurs bordelais de se calmer. Bah, on était un peu mis sous pression là avec ce coup de pied. Mais on récupère encore une fois la pénalité. Mathéo qui va trouver une touche. Une petite touche à l'entrée des 40 mètres de Florac. Faut qu'on continue à mettre du rythme. Et l'arbitre qui... Ouais, ah oui, changement. Changement pour notre équipe. C'est qui ? C'est Rémi Gillet. C'est Rémi Gillet qui sort. Auteur d'un très bel essai, Rémi. Et c'est Achille Massignac qui rentre. Achille Massignac qui a mis un triplé la semaine dernière, qui a fait un super match. Mais qui malheureusement est un peu blessé, un peu touché, mais... Qui continue ce match, qui continue aujourd'hui. Et belle touche là, belle touche bien prise par Gontran et un Moll qui se structure, qui avance, des joueurs de Florac un peu dans le trafic. Ouais, pénalité, hein, ils écroulent délibérément le Moll. Et la balle qui sort pas, et pénalité pour nos joueurs. Ouais, mais ça fait aussi. Florac a pris aussi beaucoup de pénalité. Hein, mais l'arbitre ne les sanctionne pas pour autant d'un carton jaune. On s'est pris trois cartons jaunes, nous. Et Flora qui continue à être... la touche qui est... La touche, ouais, malheureusement, la pénalité qui a envoyé directement en ballon mort. Et la pluie qui fait son apparition.
Les ballons vont être glissants, ça va être encore plus compliqué. Déjà qu'il y avait pas mal d'arrêts de jeu, pas mal de mêlées, des ballons perdus. Donc, ça risque pas de s'arranger. Ouais, on va faire des changements aussi côté UBJ, sûrement au prochain arrêt de jeu. Et la mêlée là, ouais, belle mêlée, bravo! Encore c'est le pilier droit de Flora qui se relève complètement, mais l'arbitre qui ne siffle pas. Ouais, là on met de la pression et encore un avantage signalé par l'arbitre. L'arbitre qui est très très dur, hein, qui a le sifflet facile. Là, et le joueur de Flora qui sort en touche. Hein, qui sort en touche, le joueur de Flora qui sort en touche, il sort tout seul, il n'y avait personne. Mais ce sera une touche pour nos joueurs. Voilà, et la rentrée de deux de nos joueurs, Alexandre Bas. Et numéro 21 de Sremo. Voilà, et donc c'est la sortie de Gontran Bisserier qui est remplacé par Alexandre Bas. Et de Mathis Drapeau aussi qui sort. Allez, nouvelle touche là pour notre équipe dans notre camp. C'est capté par Marius. On va pouvoir lancer notre offensive. Premier ballon pour Desremo, il avance. Et encore une fois, un ballon gratté. Pénalité pour Florac, l'arbitre qui. Et la pluie là qui redouble en intensité. Et encore une fois, le temps est arrêté. Voilà, il y a beaucoup d'incompréhension. Beaucoup de fautes sifflées, de. Voilà, et là c'est un en avant côté Florac. Le jeu qui s'est un peu arrêté. Hein, on ne voit plus grand chose. On retourne comme en première mi-temps avec beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de mêlées, beaucoup de touches, beaucoup de pénalités. Tandis qu'un joueur de Florac là, est au sol, il me semble que c'est le pilier remplaçant. Donc il y a une mêlée, hein, donc à voir s'il peut continuer ou non. La pluie là, qui a fait son apparition d'un coup, il pleut à grosses gouttes. Le ballon sera glissant. Voilà, et le pilier gauche titulaire qui rentre sur le terrain. Le pilier gauche de Florac remplaçant qui sort. Donc on va pouvoir retourner à la mêlée. On le rappelle, hein, nos joueurs doivent absolument gagner aujourd'hui pour se qualifier dans les deux premiers. Là, on est toujours dans le coup. Il reste 12 minutes de jeu si l'arbitre est en accord avec notre chrono, avec le chrono du stade. Donc à voir les mêlées là, avec ce pilier gauche titulaire qui re-rentre. Ah non, là il faut arrêter. Il y a un joueur qui n'arrivait pas à se lier. Donc on recommence. Et pendant ce temps-là, il y a Perroade qui est en train de perdre à domicile contre Saint-Médard-en-Jal 18-3. Donc ce qui est bien pour nous. Donc si on gagne ce match, on pourrait revenir dans les deux premiers. Et là, la mêlée qui se fait pénaliser. Et ça sera encore un carton, l'arbitre qui a la gâchette facile, hein, aujourd'hui. Hein. C'est le quatrième carton contre nos joueurs.
Florian Bretonnet qui sort, malheureusement sanctionné par l'arbitre. Mais sur les dernières mêlées, on les dominait et l'arbitre ne disait rien. Malheureusement pour nos joueurs, on n'a pas été récompensé sur les deux dernières mêlées, mais là, il n'a pas hésité à mettre le carton. Donc l'équipe de Flora qui va aller en touche. Donc on se retrouve encore à 14 contre 15 pour le reste, hein, le reste du match, la 70e. Donc malheureusement, il faudra tenir le coup, serrer les dents, être solidaire. Et ça prend du temps, là, à reprendre le jeu. On aimerait un peu plus de jeu, hein, cet arbitre qui nous laisse, qui siffle énormément, très rapidement. Et la touche qui n'est pas trouvée, on se comprend pas. Qu'est-ce qui s'est pas trop passé là? Ben ouais, c'est ce qui me semble. Le ballon a été rentré. Ouais, le ballon a été rentré par l'un de nos joueurs. Et on a aplati dans l'autre camp, donc ça fait mêler. C'est dommage ces incompréhensions là. On se met la pression tout seul, bêtement. Voilà, et Lulu, on le rappelle, qui doit doubler avec l'équipe première, bah, qui retourne là sur le terrain. Essayer de stabiliser cette mêlée. Ah, c'est Ronan De Fienne qui cède sa place pour laisser rentrer le pilier. Ronan, auteur d'un bon match, avec un super essai, hein, encore. En première mi-temps, le premier essai du match. Lulu qui va porter son poids, son physique. Pour un minima, stabiliser la mêlée. À mêler pour Flora sur nos 5 mètres. Concédé bêtement. La mêlée qui est plus stable que les autres. Et on avance. Et on avance. L'arbitre qui devrait siffler. Et qui nous laisse le ballon sans avantage. Encore un choix. Un choix de l'arbitre. Hein. Ne pas nous mettre davantage sur cette mêlée. Pourtant, on avançait. On avait fait le nécessaire. Mais on a tout de même récupéré la balle. L'entrée de Lulu là, qui a fait du bien, hein, sur la mêlée. Et c'est une touche là pour Floirac dans nos 40 mètres. Lancé pour Floirac qui est pas droit. Et là, l'arbitre qui ne dit rien, d'accord. Et en avant qui n'est toujours pas sifflé non plus. Il faudra qu'il nous redonne le ballon. Achille, avec ses crochets, sa vitesse, on le connaît. Et il passe en touche. Il passe en touche, on reste dans notre camp. Le rythme là qui s'est totalement arrêté. Hein. On peut dire qu'on ne joue plus hein, là depuis... Depuis presque 10 minutes, on enchaîne des touches, on enchaîne des mêlées. Et on voit pas beaucoup de jeu, malheureusement. Voyons voir se lancer. Lancer pour Florac sur les 40 mètres. Ouais, c'est capté pour Florac. Allez. Et en avant, encore en avant hein, des joueurs bordelais, mais un avantage. Un avantage pour bras cassés, ouais. Ah, Flora qui garde encore cette balle. Ouais, c'est joué rapidement avec leur pilier, ouais, qui est facilement mis au sol. Plaque.
faut être solidaire, on est toujours un de moins. Et en avant, bon, l'arbitre qui ne l'a pas vu comme ça, ouais, on met la pression, on a le droit. On a le droit, attention, là il y a des espaces sur l'extérieur, il faut absolument être présent. Le retour de Romain Fort qui plaque le joueur sur l'aile. Ouais, être solidaire. Avec des gros plaquages, du soutien. Ouais, attention, allez, encore en avant. Et avantage pour nous, ça joue. Là, il faut des soutiens efficaces. Voilà. Ah, l'arbitre qui revient sur l'avantage, qui ne laisse aucun ballon. Il ne laisse pas le jeu se jouer. Il arrête toutes les actions, c'est dommage. Il doit aimer les mêlées, sûrement. Mêlée pour c'est pour nos joueurs là. Ouais, pour nos joueurs, il reste 4 minutes de jeu. Ouais, le dernier mêlée était en notre faveur, pour notre faveur, donc c'était très bien. On a été dominateurs. Wow, le pilier gauche de Florac, non, qui est totalement en travers. Qui est en travers, avantage pour Florac quand même. Ah, bon plaquage là, très bon plaquage. Et là, il faut le plaquer ce joueur. On sait, il est rapide. Hein. Il est rapide, il a des. Allez, c'est bien plaqué par Romain. L'arbitre qui n'a plus le bras tendu. Donc, est-ce que l'avantage est terminé? Ah non, il a toujours le bras tendu. Hein. Il a remis son bras. Il faut plaquer. Ouais, mais il a pas. Ouais, mais oui, il n'a pas relâché le ballon avant de continuer. Voilà, il râle. Hein. Il râle beaucoup ces joueurs de Florac, mais voilà, pénalité sur la mêlée. Ouais, pendant ce temps-là, le leader hein, de championnat espoir. C'est poule 4, Moléon a battu de plein fouet les espoirs de Rion Morsang 78-0. Donc il reste leader. Le ballon qui a été joué rapidement sur la pénalité. Ah là il faut absolument. Ah, là en avant de passe. Heureusement qu'il y avait cet en avant de passe, sinon c'était essai là pour Florac. Allez jaune, allez. Il faut pas lâcher là, il reste 3 minutes, 2 minutes. Faut pas se lâcher maintenant. On n'est pas inquiété pour perdre le match tout de même, mais faut pas laisser Florac récupérer pour nous défensif. Et faut, si on peut, avec une superbe attaque, essayer de mettre un essai pour récupérer le bonus offensif. Mêlée pour nous dans l'autre camp. Et là, on le voit directement, le pilier de Florac qui est complètement de travers, le pilier gauche. En travers, ça ! Ouais, pénalité pour Florac. Voilà, c'est l'arbitre qui fait son choix. Voilà, il va encore la jouer à la main. Mais on est solidaire en défense. Voilà, ouh, gros plaquage. Gros plaquage, mais le joueur était en descente. Hein, donc il me semble pas qu'il y ait d'avantage. Voilà, et là ils vont faire du pick and go. Faut répondre avec le combat. Hein. Faut être solidaire là dans cette fin de match. Ne pas leur laisser 5 cm. C'est bien, on plaque. Voilà, faut se distribuer sur les extérieurs. Voilà, ou ce joueur là qui met de l'impact à chaque fois qu'il prend la balle, il avance de 10-15 mètres. Alors là, il faut mettre de la pression. Et l'arbitre qui siffle encore, qui met encore un avantage pour hors-jeu. Voilà, et Florac là qui parle la balle, mais ils avaient une pénalité. Est-ce qu'ils vont la jouer à la main encore une fois?
Ah, c'est la 80e minute. Ça sera sûrement la dernière action de ce match. Faut pas prendre d'essai, faut être solidaire là en défense. C'est compliqué, on le sait. Ah, ils repartent encore. Le joueur qui s'est stoppé directement. Et là, faut être présent autour des rucks. Hein. Ils vont nous proposer du pick and go et pénalité. Encore pénalité. C'est arbitre qui a la gâchette facile. Hein. C'est incroyable. Le nombre de pénalités sur ce match. Mais on est toujours. Ce joueur-là, voilà, il rejoue encore à la main, mais ils n'ont pas compris qu'ils n'avanceront pas comme ça. Alors on est présent sur les zones de combat. Hein. On est toujours à un de moins, on le rappelle, mais ils choisissent de faire que des pick and go. À l'image de Bergerac la semaine dernière, hein, qui est même à 15 contre 13. Voilà. Et ils se débarrassent du ballon. Et on récupère la balle. Peut-être une dernière action pour, ou autrement directement aller en touche, sécuriser la victoire. On va la jouer. Ouais, on va la jouer avec un beau coup de pied pour notre ailier Hervé Goulois. Hervé du joueur, mais qui est trop court. Ah, ça serait la fin du match. Voilà, fin du match. Fin du match. Donc c'est une super victoire pour nos joueurs qui ont... Même à 14 contre 15, pendant 40 minutes dans ce match, on réussit à gagner 22 à 11. Bonne victoire. On est en bonne position là pour être dans les deux premiers. Est-ce que Perorade, les espoirs de Perorade, ouais, ils ont perdu à domicile. C'est Samedar qui a gagné. Donc là, on passe deuxième, il me semble. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette rencontre espoir. Et on se revoit très vite à l'instant pour le match de la Fédérale 1.
toi là. Oui, toi. Toi qui regardes les matchs en direct. Tu veux des places pour les matchs? Tu veux des goodies? Tu veux des moments uniques avec les joueurs? Alors, abonne-toi! Abonne-toi? C'est gratuit. Sinon, nous venons chez toi. Hey, toi là, oui toi. Toi qui regardes les matchs en direct. Tu veux des places pour les matchs? Tu veux des goodies? Tu veux des moments uniques avec les joueurs? Alors, abonne-toi! Abonne-toi? C'est gratuit. Sinon, nous venons chez toi.
Hey, toi là. Oui, toi. Toi qui regarde les matchs en direct. Tu veux des places pour les matchs? Tu veux des goodies? Tu veux des moments uniques avec les joueurs? Alors, abonne-toi! Abonne-toi? C'est gratuit. Sinon! Sinon, nous venons chez toi!
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents sur ce live pour le match de la 21e journée, Floirac-Barbezieux. Donc le temps, pour un petit point météo actuellement, il fait plutôt beau, il y a eu un peu de pluie là tout à l'heure pour le match des Espoirs, mais là bon, il y a des nuages gris à l'horizon, mais pour l'instant il fait beau, donc espérons que ça reste ainsi pour la durée du match. Donc on va passer sur la composition. Alors, en numéro 1, Max Coquard, en numéro 2, Adrien Tala, numéro 3, Kevin Ropton, numéro 4 et capitaine Adrien Dejean, numéro 5, Baptiste Saint-Pé, numéro 6, Valentin Destruel, numéro 7, Alexandre Rougier, et en numéro 8, qui est de retour à son poste en titulaire, en numéro 8, Baptiste Bonnet, numéro 9, Pierre Martin, numéro 10, Florian Gomet, donc une jeune charnière de 2001, en numéro 12, Roman Alérang, en numéro 13, Jens Torf. En numéro 11, le retour de notre commentateur favori, Thomas Napti. En numéro 14, Clément Boineau. En numéro 15, Louis Gillier. Pour les remplaçants, comme annoncé pendant le match des Espoirs, pas mal de joueurs qui doublent, dont notamment en numéro 16, Paul Buch. Numéro 17, Théo Joubert. En numéro 18, Pierre Lemaître. En numéro 19, Lucas Cousin. En numéro 20, qui double aussi, Romain Faure. En numéro 21, David Éducard. En numéro 22, Max Augereau. Et en numéro 23, notre cher Lulu. Donc c'est un très gros match aujourd'hui. Hein. Le match aller avait été très rude à domicile. En plein hiver, ça avait été un très gros combat. On espère que nos joueurs sauront y répondre aujourd'hui. Du côté Floirac, hein, ils ont sorti la grosse armada, en numéro 1, Marvin Pivert, en numéro 2, Thibault Le Bastard, en numéro 3, Sadio Traoré, en numéro 4, Kevin Batista, en numéro 5, l'ancien cognacé Florian Letellier, en numéro 6, Maximilien Ontared, en numéro 7, et capitaine Théo Richard, en numéro 8, le portugais qui a participé à la Coupe du Monde, Thibault de Freitas, en numéro 9, Robin Blot, en numéro 10, Sunny Jardine, en numéro 12, Clément Hamon, en numéro 13, Julien Lestremo, en numéro 11, Benjamin Guiraud. En numéro 14, Pacom Goujon. En numéro 15, Nathan Gagnac. Les finisseurs, en numéro 16, Sego. 17, Clamy Edrou. En numéro 18, Aïe. En numéro 19, Antoine Jourdan. En numéro 23, Pablo Salandria Ruiz. En numéro 20, Serou. En numéro 21, Bretes. En numéro 22, Cadiou. Et voilà pour l'équipe de Florac. Donc les joueurs vont pas tarder à sortir du tunnel, on entend un gros bruit venant des vestiaires. Les supporters qui sont venus en nombre aujourd'hui, c'est le dernier match à domicile de l'équipe de Florac. Donc ça va être un gros match pour eux, hein, parce que il faut absolument pour cette équipe qui gagne s'ils veulent espérer se qualifier en phase finale. Et de notre côté, comme on l'a dit, nous n'avons effectivement plus rien à jouer, mais surtout ne pas faire une très bonne figure ici, essayer de gagner. On l'a fait à l'aller, on peut très bien le refaire au retour. Et donc on remercie tous nos abonnés, nos 1100 abonnés à peu près sur la chaîne YouTube à nous suivre. Et l'entrée des joueurs de Florac. Voilà, et on remercie à ma gauche le commentateur qui revient, ouais, Mathieu. Bonjour. Voilà. Bonjour à tous, je suis de retour. Mathieu est de retour pour m'accompagner, comme Thomas Napti n'est pas là. C'est Alain Dugas. Il joue, il joue. C'est oui, oui, il joue. Le match de la société Sud-Ouest Numérique. Il est de retour sur le terrain, c'est pour ça. Ouais. Fictif. Si tu vas viser Alain, le Thomas, son poste de prédilection. Merci Alain pour ton investissement et pour ton partenariat au sein du club de Florac. Voilà, et on remercie notre réalisateur GG, hein,
Toujours élégant. Aujourd'hui, il nous a fait une dreadlocks. Avec ses trois cheveux sur le caillou, il nous a fait une dreadlock. C'est beau de sa part. Je sais pas ce que t'en penses, Mathieu, mais c'est... Voilà, j'ai pas compris. Il a fait, en fait, GG, tu te vois bien, il a fait une dreadlock avec ses trois cheveux. Ah, mais toujours beau, de toute façon. Non, mais c'est magnifique. Bravo. Donc, le coup d'envoi de ce match... On voit pas Jérôme, il est tout le temps magnifique. Ben oui. Derrière son écran. À la caméra. Allez, c'est parti. Long renvoi, capté par Clément Bonneau, qui navigue. On sort de notre camp sur le numéro 8 de Freitas, qui est en gros porteur. Hein. Gros porteur et qui met avance bien. Ouais, qui avance beaucoup là sur cet impact. Ah, ça écarte bien. Il faut le plaquer, ouais. C'est bien joué. On met de la pression. Il faudra qu'il recule. S'enchaîne. Florac, une équipe joueuse. Qui est équipe joueuse, mais aussi qui est très dense hein, physiquement. On le voit avec là, le numéro 5, Florian Letellier, qui avance aussi. Hein. On est 4 sur lui pour essayer de l'arrêter. Bientôt retraité. Bientôt retraité, ouais, c'est son dernier match à domicile en tout cas. Hop. Là, ouais. C'est bien plaqué par Baptiste qui se relève pour essayer de gratter. Les soutiens sont présents. Ah, notre défense qui est efficace, hein, c'est. Voilà, bonne montée. Hein. Bonne montée là, de notre talonneur Adrien Tala qui est grattage pas récompensé par Kevin Repton. Et Adrien, voilà, qui a bien vu le ballon qui était sorti, qui l'a plongé dans la jambe du numéro 9. Ouf. Oula, et là, un déblayage musclé de la part de Florac. Et là, bon plaquage dans un second temps. Hein. Ah, numéro 10 au match aller, il avait été très bon. Et l'avantage, dommage. C'est une séquence de 1,54 hein, quand même. Ouais, une grosse séquence là. Hein. Grosse séquence, on a su bien défendre. Alexandre Rougier qui se plaint un peu, mais qui reste hein, sur le terrain, qui serre les dents. Ouais, une grosse séquence là par Florac. Oui, hein. Oui. Une grosse défense, par mesure, c'est intéressant. Ouais, ouais, bonne défense. On n'a pas fait de faute surtout. Oui. On n'a pas fait de faute, on les a embêtés dans les rucks, on a essayé de mettre les mains. Première mêlée du match. La mêlée, notamment, ça avait été un point négatif sur notre dernier match contre Bergerac. Voyons voir avec la titularisation de Kevin Repton. Il manque qu'il revienne, quoi. Arrête. Non, mais oui, mais on a des grosses carences là en pilier. On voit Florent Boucher là, qui est dans les tribunes, qui est aussi blessé. Enzo de Santa Maria qui doit nous écouter. Cécilion, malheureusement, la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, Luca qui s'est pris en carton rouge. Ouais. Ouais, et la mêlée, voilà. Ouais. Normal. Notre axe droit là qui subit. Mais, on va voir s'ils vont construire leur match en prenant les points ou ils vont aller en touche, on ne sait pas. Bon, on va voir leurs intentions directement. Si c'est de. Je pense qu'ils vont prendre les points quand ouais, même. Le numéro 10 là où leur buteur en tout cas qui a l'air de s'avancer. Ouais, il prend son tir, ça sera les points. Ouais, malheureusement. En première ligne, on est aussi avec Mathias Sargiro qui est parti. Jouer à Nice, hein, qui est une superbe opportunité. Et qui est suspendu. Ouais, Lucas Chakadze qui est suspendu pour la fin de saison. Nikita Jakob qui peut remplacer en pilier, qui s'est blessé aussi. Enzo de Santa Maria, bah, comme je dis tout à l'heure, lui qui s'est fait opérer. Ça passe. Hein. Et la transformation qui est très haute et qui passe pas. Légèrement à gauche des poteaux. Ce sera en renvoi au 22. Ça fait quand même du monde blessé en première ligne. Ouais, ça fait. On a beaucoup trop de blessés. Florent qui devrait revenir prochainement, espérons. Voilà, long dégagement. Et ça sera directement pour le numéro 8 qui est bien plaqué là par notre capitaine Adrien Dejean. Toujours là. Avantage. Hein. Ouais, avantage. Bah, il joue pas. Il le joue pas. Il tente un coup de pied, mais ça marche pas. Adrien Dejean, toujours là, 40 ans, et qui tient la baraque, notre capitaine.
Voilà, donc la nouvelle pénalité, on a empêché la libération du ballon. Ils vont prendre. Ils vont aller en touche, ouais. ils sont un peu loin. Il n'y a pas forcément de vent, donc ils seront pas. Le vent est présent mais pas très fort. Et la touche qui va être super bien trouvée. Ouais, magnifique. Ouais, belle touche. Ouais, magnifique. C'était juste, mais là, magnifique touche, on peut rien dire. Là, c'est... Et ça serait une touche pour Florac sur notre ligne des 5 mètres. À la 5e minute de jeu, c'est. Il va falloir défendre. Ouais, il va falloir défendre. Et là, il change de ballon. Ouais, la balle qui est captée, le molle. Et non, la balle qui est échappée. La balle qui est échappée, Pierre Martin qui a un bon réflexe, il a sauté sur le ballon. Ouais. Baptiste Bonnet qui avance, hein, là, de 10 mètres. Ouais, hein, il avance bien. Hein. Ouais, ça va être par-dessus ça. Notre ouais, numéro 10, Florian Gomet, qui dégage notre camp. Ouais, ça sera une touche dans nos 22 mètres, il me semble. Ouais. Légèrement dans nos 22 mètres. Ouais, le dernier lancer avait été bien capté, mais une mauvaise manipulation au sol. Et là, pareil, ils vont reconstruire sur un molle. Cette fois, c'est bien capté, ça avance. Ouais. Mais on défend bien dans un second temps. Premier arrêt, là. Premier arrêt annoncé par l'arbitre. Ah, malheureusement, ça continue à avancer. Avantage. Ça s'écroule, ouais, avantage. Avantage pour l'équipe de Florac. Le numéro 5 qui porte, qui est amené au sol. Qui est gratte. Ouais. Ballon récupéré dans la main du numéro 5 par notre bon numéro 9, Pierre Martin. Il est hargneux, hein, mon Pierrot. C'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Il avait arraché deux ballons contre Anafora. Ouais. Je pense qu'il faudra qu'ils arrêtent un peu les fautes. Ouais, ça fait. Ça fait trois fautes, là, il me semble. Ouais. Trois fautes. Et là, ce serait encore une touche à 5 mètres. Ah, ils veulent laisser. Ils cherchent l'essai. Hein. Essayer de lire leur alignement. Qui sont les sauteurs? Le 8. 8 est le dernier. Et non, ils s'entendent pas. Malheureusement, on n'arrive pas à attraper la balle. Il la récupère. Hein. Il la récupère, malheureusement. Allez, on monte encore une fois très très fort là, de côté Barbezier en défense. Des rocs efficaces, hein, des ballons qui sortent vite pour Florac. Et il y a un avantage. Ouais, tout un avantage. Il y a un avantage. Quatrième pénalité là en 7 minutes. Ah, ça renverse, et ça renverse. Ça renverse. Numéro 10, grande place du numéro 10. Et c'est... Qui nous surprend et c'est Florac. Après il y a l'avantage, ça joue bien. Le renversement est vraiment intéressant. Normal, hein. Il la joue bien, de la précision technique de ce numéro 10 hein, qui nous vient de Wasps. Oui, qui a joué avec les Wasps, qui est très intéressant. Au match aller, il avait été très performant. Et là, il nous montre encore toutes ses qualités. Carton jaune. En plus, ouais. Ouais, carton jaune pour notre talonneur Adrien Talam. Personnellement, j'ai pas vu ce que l'arbitre a fait comme jeu. C'est la continuité des fautes qu'on a eues. D'accord. Ouais, bah, malheureusement... D'accord. Ouais, mais malheureusement, 5 ou 4 fautes là. En 10 minutes, presque 10 minutes de jeu, c'est. L'arbitre a directement sanctionné, il s'est respecté. La transformation au niveau des 5 mètres. Mais c'est bien parti. Ça passe. Hein. Ouais, ça passe, ouais, ça passe. Et c'est pour Florac par Guiraud, transformé par Nathan Gagnac. Florac 7, UBJ 0. Ah, malheureusement, on commence mal ce match. On se prend un essai. On est resté dans notre camp. On n'a pas joué. On n'a pas eu le ballon hein, pour l'instant. Allez, coup de renvoi.
Il faut mettre la pression dessous. Ah, c'est bien plaqué par Alex Rougier. Ah, encore ce numéro 8 hein, qui avance au contact. Ah, le numéro 8 qui a joué la Coupe du Monde avec le Portugal contre l'Australie notamment. Voilà. Et ils nous rendent la balle sur Louis Gilliers. Allez, avec Baptiste, hein, Baptiste Bonnet, qui a de la puissance, on le connaît, il avance. Renverser, il faut renverser. Ah. Et Jenski, c'est direct en touche. Je ne sais pas si elle est contrée. Ouais, elle est contrée. Elle est contrée. Ouais, l'arbitre de champ l'avait vu. L'arbitre de touche, non. Dommage parce que en renversement, je pense qu'il y avait mieux à faire. Hein. Ouais, il y avait peut-être mieux à faire, on se débarrasse un peu rapidement, mais bon, elle est contrée, elle est pour nous. On belle prend. Touche. Belle touche. Ouais, belle touche trouvée. Bah, hein. Et c'est. Ouais, vu que c'est Adrien Tala qui s'est pris le carton jaune, c'est Maxime Coquart qui prend le lancer. Il remplace un pilier, mais il est. Ça fait depuis qu'il est à l'UBJ qu'il joue talonneur. Ouais. Lancé sur Baptiste Saint-Pé, c'est capté en avant, malheureusement. Dommage. Faute de main, la déviation, on n'a pas réussi à capter la balle. Et... Ah, donc là, ça va être deuxième mêlée du match. Ouais, Buche va rentrer. Ouais, Buche. Ah. Non, même pas. Non, je pense que ça va être un pilier. Pilier. Bah, on ne sait pas, un peu d'incompréhension là. À vrai dire. Ah, c'est qu'il faut dire quand même que Buche était avec les espoirs. Ouais, c'est ça. Avec les espoirs. Théo Joubert était avec les espoirs parce qu'il y a un manque d'effectifs en première ligne. C'est ça, énorme. Et donc, voilà. Ils ont dû doubler, comme on dit. C'est ça. Là, Paul Buche qui va sûrement faire son entrée. Ouais, et Thomas Napti, qui sort. Il fallait bien faire sortir quelqu'un et c'est Thomas. Et Paul qui a oublié de changer ses chaussettes. Oui, c'est vrai. On va le reconnaître sur le terrain. Il a gardé les chaussettes jaunes du précédent match. Il n'a pas eu le temps de se changer. Il a dû prendre une bière entre temps, il n'a pas eu le temps de se changer. À deuxième mêlée du match, en première on avait été sanctionné. On est bien là. Elle est plutôt stable. Ah. Ouais. Dans un deuxième temps, on se pénalisait, mais c'est tout de même stable. Hein. C'est le pilier gauche Maxime Coquart qui s'est pénalisé, il l'amènerait au sol. C'est rare hein, qu'un pilier gauche amène au sol parce qu'il a le bras sous le bras du pilier droit. Donc les arbitres sifflent souvent que les piliers gauche amènent au sol, mais non, c'est la pression du pilier droit du bras droit du pilier droit qui trompe l'arbitre. Et c'est le métier de pilier. Hein, il n'y aura pas de faille, hein. On a un technicien à côté de moi qui connaît bien la mêlée. Alors, celui-là, vous allez voir les spectateurs, il va vous expliquer un peu tout ce qui se passe. Ça va être sympa. Ouais, belle ouais. Touche, ouais, pas droit. Bon, c'était juste, hein. C'était limite. Certains arbitres l'auraient sifflé pas droit, l'auraient sifflé droite. Cette fois, on l'a. Et on prend pas la mêlée. Ouais, on prend la touche. On prend la touche et là, c'est Paul Buche qui va s'en occuper. Ah, Paul Buche qui est capable de jouer aussi troisième ligne, étalonneur. Et ça sera, belle touche. Comme il l'a fait avec les espoirs, des belles touches. Allez, première attaque. Et on va chercher directement le couloir des 5 mètres. Oui. Il faut avancer par contre. Il n'a pas avancé là. Plaquage haut. L'arbitre ne nous dit rien. L'arbitre de touche qui ne le signale pas non plus. Ouais, double plaquage là sur Baptiste Saint-Pé. Ouais, ils sont durs. Hein. Ils sont durs au contact, ces joueurs de Florac. Voilà, et on sort de notre camp en plein centre. Sur la relance. Leur numéro 15 qui attend un peu, qui réfléchit, Il fait, oui, tranquille.
Il va trouver une touche, il va trouver pas de solution, il trouve une touche dans le 22 mètres. Pas de solution, bah, il joue au pied. Bon, voilà. On reste dans le camp de Barbezieux. Ouais. Voilà, et l'arbitre central qui va demander à son arbitre de touche si le plaquage est haut, si le plaquage était légal. Il dit que oui. Je pense pas qu'il l'ait vu. À noter, hein, on le rappelle, la belle victoire de nos espoirs. Le match juste avant, 22 à 11, ils étaient en infériorité numérique pendant presque 30 minutes dans le match. Donc c'est beaucoup de combats, beaucoup de caractère. Hein. C'est une victoire à l'extérieur. Est-ce qu'il y a intéressant, on est deuxième de poule aujourd'hui. Oui, on est deuxième parce que Saint-Médard a perdu. Saint-Médard a gagné à Peyrorade. Et donc on est deuxième. On continue. Ouais. Et qualifié, bien sûr. Et là, il y a... Ouais, bien. C'est récupéré, bon grattage. Ouais, bien, bon grattage. Bon grattage, et c'est Baptiste Bonnet hein, qui vient gratter ce ballon. Numéro 2, Flora, qui a une inquiétude, qui s'est un peu blessé pour son dernier match à domicile. Et Roman, qui va nous trouver une belle touche. Très belle touche, juste entre les 40 et 50 mètres. Ouais, à noter, bah, pour les espoirs, je retombe dessus. La semaine prochaine, il y aura un gros match pour nous, mais aussi un gros match dans la poule qui peut être déterminant pour les phases finales. C'est Peyrorade qui affronte Mauléon. C'est ça. Qui affronte Mauléon. Oui. C'est le donc Mauléon qui est premier contre Peyrorade qui est troisième et nous qui sommes deuxième. Donc il faut absolument être dans les deux premiers. Donc on espère que Mauléon fera le travail. C'est ça. Et nous aussi. Et que nous aussi contre Nantes. Contre Nantes. Voilà. Qu'on essaye, qu'on valide cette deuxième place avec un superbe bloc. Et là, un mol hein, qui structure et qui avance. Et l'arbitre qui sifflait. Non, qui a... malheureusement, pas une compréhension. Mauvaise transmission. Mais on garde la balle tout de même. Ouais, Jens qui arrive tranchant. Jens qui arrive tranchant. Et le grattage, ouais, il avait les mains au sol. Hein. Il avait les mains complètement au sol, hein, le pilier droit, mais bon, grattage sifflé par l'arbitre. Ouais, mais une mauvaise transmission qui nous a mis sous pression et malgré la bonne course de Jens, on est pénalisé, les soutiens qui n'étaient pas présents assez rapidement. Et la touche là qui n'est pas trouvée, il a complètement dévissé. Et donc ça sera mêlée, il me semble, ou touche. Je ne sais pas si on a le choix sur. Tissieux, je pense. Je ne sais pas si on a le choix entre mêlée et touche. Je pense qu'on prend une touche. Bah, ça serait le plus judicieux au vu des dernières mêlées. Ça serait une mêlée. Ça serait une mêlée, ok, d'accord. Bon, c'est mêlée. Ah ouais, après, puis il y a mêlée au coup de pied et tapé. Ouais, à l'endroit où le ballon a été botté. Donc on a vu quand même une bonne. Sur la dernière mêlée, c'était plutôt stable dans un premier temps, malheureusement. Enfin, heureusement, c'était plutôt stable, mais dans un deuxième temps, on s'est fait pénaliser. Voilà. Voilà, on a cette mêlée sur les 50 mètres, dans l'axe des poteaux. On a le choix d'attaquer à gauche, à droite. Voilà, l'arbitre qui fait arrêter cette mêlée. Voilà, on était contre épaule, il me semble. On était trop proche. L'arbitre demande d'avoir un espace entre les piliers pour avoir plus de stabilité. Et pour éviter de mettre moins de pression, pour essayer de mettre moins de pression sur les cervicales des joueurs. Belle analyse. Aujourd'hui, pas de problème là-dessus. Une belle analyse. Mais toi, tu nous analyseras les jeux de plus de 3 quarts, hein, parce que moi, c'est pas mon point fort. On recule. Mais là, le ballon sort rapidement. Qui met un superbe impact là sur le numéro 10. Allez, faut que ça joue. Allez. Ça joue. Jens qui met de l'avancée. Reste en terrain. Voilà. Mauvaise transmission. C'est meilleur, faut la jouer. On le joue, c'est pas en avant. C'est sur la ligne. Alexandre qui fait l'effort de rester sur le terrain, c'est bien. Ah, les ballons qui sortent avec. Pour moi, il faut garder la balle, c'est bien. Les soutiens. Faut jouer encore. Ouais, ça montait fort, mais c'est conservé par Baptiste Saint-Pé. Ah, c'est bien ça ce qu'on fait. Oui, Flo. Ouais, bien, ouais, il avait vu le trou. Ouais, Flo, allez. Là, il faut. Ouais, c'est Pierre Martin qui doit s'y coller. Ouais, malheureusement, c'est raté. Ouais. C'est dommage. Hein. On manque de réactivité sur les soutiens.
C'est le deuxième ballon qui nous gratte. C'était Pierre Martin qui a essayé de contre-roquer, mais bon, malheureusement, c'est il peut pas tout faire. Hein. Troisième, il était plus rapide au sol. Mais quand même, belle séquence, c'est intéressant, à 14 en plus. Ouais, on est à 14 contre 15, on le rappelle. Rentrer. Bah, Adrien qui rentre, on était à 14, on a pris. Bah, on n'a pas pris de points pendant cette période. Non, mais c'est une bonne séquence. Ouais, la bonne séquence de jeu, non, c'est plutôt positif. Voilà, Flora qui repart sur une touche. Ouais, belle touche, bien captée. Mais ils repartent sur un bol, hein, ils veulent. Ouais. C'est plutôt bien contré dans un deuxième temps là, c'est des joueurs. Ah, ça croule mais ils sont ils tombent. Non, ce sont eux qui tombent. On était presque en jeu avec plaquage en PO. Ouais, normal. Ouais, plaquage en PO. Et le ballon, le joueur. Le numéro 9 qui joue rapidement, ouais. Il va trouver leur pilier droit sur l'extérieur, bien plaqué. Ouais, Pierre Martin, parfait. Bien plaqué, ça. Pierre Martin et Baptiste Saint-Pé qui. Oh, et oui. Bienvenue. Ouais. Il est venu tranchant dans l'espace, mais bien récupéré. Et gratté dans un second temps par Florian Gomet, il me semble. Ouais, il y avait un peu le feu, mais on a réussi à défendre notre ligne. Et là, c'était une pénalité pour plaquage Géo, sifflé contre notre numéro 7. Est-ce qu'ils vont la jouer ou est-ce qu'ils vont prendre des points? Parce que là il la joue rapidement alors qu'il est 3 points, mais là t'as... Ouais non là il a l'air de prendre la touche. Il prend la touche. Ouais. C'est un choix fort de Florac. Sur les derniers molles, c'est vrai qu'ils étaient. C'est vrai qu'ils avançaient un peu. Et ouais, je vois. Allez, Lulu. Notre Lulu qui va rentrer. Sa première. Qui va rentrer en première. Sa première. C'est sa première en équipe première. Voilà. Bravo. Félicitations Lulu et Kevin, Kevin qui sort. Ouais, bon, je pense qu'ils vont alterner tous les deux. Ouais, sûrement. Il y en a qui vont faire mieux. C'est bien capté la part de Florac. Et le Moll qui est bien défendu. Ouais. Il me semble qu'on est dessous. Ouais, là, je pense que On est dessous. On est dessous. On avait la main sur le ballon. Ah non. Bon, l'arbitre qui a dû voir l'essai. À essayer, hein. Normal. Ouais, essayer là sur ce mall qui a été désaxé. Et ça va au bout, ça va faire 14-0 si la transformation est. Si la transformation va passer côté Florac. Ça passe. Pour Florac, un essai de Florian Letellier. Transformé par Nathan Agnac. Florac 14. Allez, Roland Defienne qui est à côté de nous, ouais. qui ose pas prendre le micro. Hein. Malgré son super baissé. Avec les espoirs, mais il ose allez, pas. C'est reparti. 14-0 pour Florac dans ce match. Il a réceptionné. Est-ce qu'ils vont jouer un peu ou ils vont jouer quand même? Non, ils forment un mol. Hein. Dans leur camp, ils forment un mol. Ils veulent chercher de la pénalité. Ça met de l'avance. Putain, ils avancent. Hein. Ils avancent ce mol qui ne s'arrête pas. Il y aura sûrement un avantage. Non, ça joue. Non, ça joue. Pas d'avantage. Ouais. On s'oublie un peu en défense. Ah, la balle, les transmissions sont pas très bien. Transmission. Et là, de l'autre côté, il y a un grand surnombre hein, avec tous les avants. Ah oui, et en avant. Ils sont en avant et ballon. Allez, Clément. Il y a l'avantage. On peut toujours avoir la balle. Ah, Clément qui se fait presque tacler. Il récupère la balle, Florac, malheureusement. C'était une situation. L'image de l'interception. L'image des espoirs. On aurait pu marquer ce c'est là. Avec notre ami qui est à côté de nous. C'est pas lui qui a intercepté. Non, mais. Non, mais très bel essai par contre, notre copain. Ouais, et Florac qui va sortir de son camp avec leur numéro 9.
Ouais, il va pas trouver la touche, il me semble. Allez, allez, faut s'amuser, allez, allez. Allez, Flo. Oui, pourquoi pas. Ah, le ballon qui est contré, là, là, c'est à la course. Ok, on sera plus rapide. Il y a Batou, il y a Batou. On sera plus rapide, Batou qui garde la balle, qui reste debout le plus longtemps possible pour attendre les soutiens. Ouais, c'est bien, bien joué. C'est bien joué. Là, il faut essayer de se restructurer, mais non, pénalité pour nous. Et Pierre Martin qui la joue vite. Ils sont dans ces cas-là. Hein. Ils sont à 10 mètres, hein, mais il faut la jouer. Si on prend. Ouais, plaque jeu là, ouais. Voilà, touche. Ah, c'est signalé. Voilà, touche, Pierre. C'est signalé, l'arbitre qui arrête le chronomètre. Il appelle les arbitres. Le capitaine de Flora qui a deux fautes. Ouais. Deux fautes sur la même action, donc attention. Et on s'est pris un carton jaune pour accumulation de fautes. Oui. Ils accumulent aussi. Voyons voir si l'arbitre. Hein. Sanctionne de la même manière nos deux équipes. Ouais, on trouve la touche, ouais, belle touche trouvée sur la ligne des 40 mètres. Ouais, mais en tout cas, on essaye de jouer. Hein, on joue. Comme je l'ai dit, avant que les joueurs rentrent, on n'a rien vraiment à perdre. Hein, non. On peut plus qualifier, donc autant jouer, autant faire plaisir, ouais, autant s'amuser. Ah, touche. Ballon lobé, malheureusement, Lulu qui n'arrive pas à prendre la balle. Et oui, pénalité. Normal. En avant repris devant. Touché par Lulu. Et il y a pénalité. Normal. Bah, c'est pas un cirque. Hein, il la touche, il récupère le joueur de Barbezieux. Il y a pénalité, c'est normal. Ouais, c'est normal. C'est en hors-jeu. Exact. Ah, touche pour Florac. Ouais, on fait beaucoup de fautes. Hein, dans cette première mi-temps, ça nous porte préjudice. Parce que les avants de Florac sont dominateurs, notamment là sur les molles. Donc on imagine que Florac. Je pense qu'ils vont faire la même chose. Un molle ou autrement ils vont innover. Hein. Ah, ouais. Ils sont pas bloc complet. Très bonne. Ah, ça va jouer là. Ah ça va jouer. Ça va jouer. Ils envoient leur numéro 12 qui est bien pris par Baptiste Bonnet. Ballon qui est récupéré. On a Lulu qui a plongé dessus. Alors on la récupère, il faut essayer de se restructurer avec des soutiens là, faut pas qu'ils nous grattent la balle là. Ouais, on dégage, faut pas la mettre directement en touche. Ah c'est bien, et la touche, qui a sauvé par le numéro 11. Et là, montez sur lui. Faut le plaquer, c'est bien. Alors on les met sous pression, ils sont dans leur camp. Ça va taper. Ah, numéro 10 qui a une chandelle pas un peu lointaine. Il faut jouer là. Allez. Là, faut jouer. Et Loulou qui trouve un espace avec le soutien de Roman. Roman qui s'est fait arracher la balle. Il s'est fait arracher la balle. Et le jeu qui s'arrête en avant de Florac. Faut qu'on joue hein, ces ballons de récupération. Malheureusement, là, on s'est fait arracher la balle. On va voir la première mêlée de Loulou. Première mêlée de Lulu. Ah, ça fait plaisir qu'ils soient récompensés. Ah, donc 30e minute de jeu, 14-0 pour les locaux, pour les Girondins. Ah, première mêlée Lulu, on va voir. Ils anticipent la poussée. Bien joué, bien anticipé. Ils anticipent la poussée, là ouais. c'est l'expérience de Lulu qui apparaît. Vous poussez, ouais. Il y a Adrien Dejean qui trouve un espace, les soutiens qui sont. Il essaie de gratter alors que le rock était déjà formé. Donc pénalité pour nous. Bon j'imagine qu'on va. Pour toi, on va prendre les points, la touche. Ouais. Quel est le choix? On va prendre la touche. On va prendre la touche, hein, ouais. On est à 14-0. Nous, on est là pour, faire du jeu. Il n'y a rien. Enfin, on n'espère plus rien maintenant. Donc autant travailler. Et puis, C'est ça. La touche rouée dans les 22 mètres de Florac, presque aux 5 mètres. Donc essayer soit de structurer un molle et si ça avance pas, après lancer les chauds derrière. Nos,
nos avants qui ont été malins sur la mêlée. Ouais, qui ont été malins sur la mêlée, mais qui le reste de la saison ont été plutôt dominateurs devant. Ah, c'est bien capté. Le mol qui se structure. Allez, là faut avancer, Ah, on a... Le ballon arrêté, il y a un avantage. Avantage pour nous. Et ça avance dans un deuxième temps. Allez, allez, on peut aller au bout, Ça s'écoule dans la but, et c'est... Et voilà, c'est bien. On est récompensé. Bien sûr. Bon mol. Alors, un bon mol. Et nous aussi, on a du répondant devant. C'est Adrien Tala, non, c'est... on va dire c'est de Lulu. Et c'est collectif, en tout cas, de nos joueurs. C'est bien, on leur répond devant. Au match aller, on avait été nominateur, donc... On avait marqué un essai en mol aussi, il me semble. Toi, non, tu as marqué ? Non, c'est pas moi. Ah. Moi, j'ai pas marqué. Moi, je marque pas. Pourtant... Avec la pluie, la pluie a commencé. Ouais, la pluie qui vient d'apparaître, là. La pluie qui vient d'apparaître, malheureusement. On l'espère pas trop de faute demain. Ah, mais... C'est sûrement la puissance de Lulu là, qui a le plus à faire avancer pour ce moment-là. Ah, il va le dire, il est rentré, 7 points. Voilà, voilà. Lulu qui rentre. Il fait la différence, hein, c'est ça. Avec lui. Non, mais en tout cas, c'est une belle réaction de nos joueurs. Hein. Oui. C'est une belle réaction de nos joueurs. Malgré les deux essais encaissés, on ne baisse pas la tête, hein, on est toujours présent. La transformation, ouais, qui est compliquée. Dans le coin, pour notre buteur Roman Alerang, face à son ancien club. Hein. Il connaît son jardin. Et ah, malheureusement, comme les espoirs. Son jardin qui prend le poteau. Ouais, il prend le poteau. Comme un espoir, poteau. Florac 14, Union Barbezieux-Jonzac 5. Ben voilà, 14-5. 14-5, on recolle un peu au score. Ouais, joli coup. Ouais. Et Baptiste. Ah, c'est derrière. Oui, il me semble qu'il y avait un en avant de Thomas Napti repris devant. Non, il a pas vu l'arbitre. Mais l'arbitre ne l'a pas vu, tant mieux. Ah, Adrien qui avance, hein, qui touche beaucoup de ballons aujourd'hui. Ah, dégagement de Flo Gomez, plutôt dans l'axe, pour le numéro 10 qui va pas envoyer son numéro 8. Tant mieux. Et ballon contré, il n'y a pas de hors-jeu, il faut absolument. Ah, faut le plaquer. Là, faut le plaquer. Faut pas le laisser passer. Il faut le plaquer. Aux jambières. Ah. Ouh, Baptiste. Ouh, Batou qui. Alors. Qui subit le plaquage. Et Pierre Martin qui s'est blessé. Ouais. Pierre Martin qui vient de se blesser. Et ça continue, l'action qui continue. Et Pierre Martin, là. Malheureusement, là. Ouais. Double peine pour nos joueurs là, on se prend cet essai et Pierre Martin qui se blesse. Ah, le numéro 8, hein, on l'a dit, surpuissant numéro 8. Ouais. Joueur. Pour faire ça à Batou, il faut en vouloir. Hein. Ah, Pierre Martin qui se lève mais qui a beaucoup de mal. Qui sortira, malheureusement, j'ai l'impression que c'est soit la cuisse ou le genou. On sait. En tout cas, qui se blesse. Et ce sera Romain Fort hein, qui a joué aussi avec les espoirs. Le joueur en double licence avec le 115 qui va rentrer. Ouais, on peut. Les spectateurs qui sont au fair play qui applaudissent notre joueur hein, qui sort malheureusement, Pierre. Pour Florac. Ah, il a l'air touché à l'ischio. Hein. Il s'est claqué. J'imagine qu'il s'est claqué. Il tient l'ischio. Je connais bien cette blessure. Ouais, c'est mieux qu'un genou. Mais c'est musculaire. C'est ouais. Pas mal de blessures musculaires. Hein, entre Flo Boucher, Nikita, là, Pierre Martin, moi actuellement. Ça fait du monde. Ah mais Florac là qui est numéro 8 hein, qui est inarrêtable hein. Aujourd'hui, qui avance. Ah Romain Fort qui est au ballon. Hein. Ah numéro 10, ça joue sur les extérieurs. Ah, leur pilier droit là aussi qui avance. Il faut être plus efficace hein, sur ces plaquages, ils avancent beaucoup. Ouais.
Et il dévisse complètement son jeu au pied qui va aller directement en touche. Il dévisse complètement. Bon, bah, ça sera une touche pour nos UBJs sur les 40 mètres de Florac. On va essayer de remettre la marche avant. Il faut absolument plaquer ses joueurs et les faire tomber rapidement. Hein. Belle touche, hein, du 10 de Florac. Ouais, belle touche. Merci. Ah, le pilier droit de Florac qui met un genou au sol. Est-ce que c'est pour récupérer ou c'est qu'il est vraiment blessé? Il a l'air de saigner vers l'arcade. Ouais. Peut-être, ouais. Il se touche l'arcade. Touche pour nos joueurs, Adrien Tala qui sera relancé, mais le jeu qui est arrêté. Bon, pour faire un petit point là, un peu avant la mi-temps, c'est quand on était en infériorité numérique, on n'a pas pris de points, mais malheureusement là, on a encaissé cet essai qui vient de cette récupération de ce numéro 8, hein, qui a mis de l'avancée. Après, les trois quarts ont bien joué le surnombre sur l'extérieur. Et ils vont planter cet essai, malheureusement, on est à 19-5. On a eu une bonne réaction devant, mais il faut qu'on soit plus efficace, notamment en défense. Touche trouvée sur Baptiste Saint-Pé. On est un peu bousculé. Ouais. Oui. Ils viennent plaquer. Si on avait peut-être la pénale touche, ça serait intéressant. Bah, j'imagine qu'on va prendre la pénale touche. Là, ils ont plaqué le Baptiste Saint-Pé qui était encore en l'air. Ils l'ont déséquilibré, donc c'est une faute. Logiquement sifflé, on va chercher la touche. Allez, on va pas prendre les points. Roman qui va nous trouver une belle touche là, dans les 22 mètres. Presque aux 5 mètres. Hein. Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est une belle touche. Elle était à peu près à cet endroit-là tout à l'heure quand on a mis notre essai. Donc j'imagine qu'on va repartir sur un mol. Il faut trouver les espaces libres. Là, on voit qu'il y a un pilier et Florian Letellier au milieu de la touche. Donc ce ne sont pas des sauteurs. Voilà, donc on choisit cette zone pris, intelligemment, c'est bien pris. Allez, il faut travailler. Et là, on structure, voilà, c'est bien. C'est stable et c'est un mol, c'est de la patience, mais malheureusement, ouais, on n'a pas la balle, ce sera mêlé. Ouais. Dommage, bien défendu de Louis Forac. Hein. C'est bien défendu. Encore ce 8. Ouais, c'est. Il y a un combat entre les deux 8. Hein. Entre les deux 8, il y a un gros combat. Deux joueurs très physiques, hein, on connaît notre Batour. Hein, qui, à mon avis, n'oubliera pas la charge qu'il s'est pris. Il va sûrement se venger dans le match. Ah, deuxième mêlée là pour Lulu. Lulu, Max et Adrian, la première ligne du jour. Oh là là. Ouais, grosse poussée. Ouais, normal. Grosse poussée de Florac qui avance. Pénalité logique. Pénalité pour Florac. Ils vont revenir. Ils vont pas revenir dans l'autre camp. Ils vont rester dans leur camp, dans les 50 mètres. La mi-temps qui approche. Lulu qui a. Ouais, mais il faut qu'il se mette bien jouer au sol. Hein. Lulu ça va jouer. Qui hein. a un peu mal. Ouais, il faut absolument qu'il mette un genou au sol. Ouais, l'arbitre qui le voit. Première ligne blessée, donc on arrête le jeu. Ouais, il a l'air d'avoir mal un peu au cervical, ouais. Mais bon, il va reprendre sa place. Ouais, superbe lancé, ils ont trouvé l'endroit libre. Et ouais, bon plaquage, on l'a bien fait tomber suite avec Adrien Tala. Et pénalité pour je ne sais pas quelle raison. Allez, le 8... Et lui qui a l'air d'avoir mal, qui s'est blessé. Au genou, il me semble. On ne sait pas trop. Ouais, mais Adrien, ouais, qui là plonge dans les jambes.
à plonger bien dans les jambes du numéro 8 et il l'a fait mal. C'est comme ça qu'il faut défendre sur ces, bah, c'est, sur ces joueurs physiques. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut leur plonger dans les jambes. C'est, mais là, il a pas encerclé le joueur, il allait directement avec l'épaule. Et sort, super ouais, belle touche. Ouais, belle touche trouvée encore. C'est une belle touche qui est trouvée. Ah, ça va partir sûrement qu'ils vont partir sur un mol ou sur une combinaison. On va voir. Allez. Ouais, c'est mis le touche, ouais, mais récupéré. Bien, Flo. C'est bien lu. Ouais, c'est bien lu et pénalité pour nous. Ouais, parce que ouais, bah, Valentin Destruel qui a été bousculé en l'air. Et encore une fois, de Florac, hein, mais l'arbitre ne pénalise pas l'accumulation de fautes. Ouais, mais c'est la mi-temps. Moi, c'est la mi-temps. Bah, peut-être qu'avec les arrêts de jeu, l'arbitre considère qu'il reste 2 ou 3 minutes à jouer encore. Voilà, lancé Adrien Tala. Ouais, un peu d'incompréhension là, entre le talonneur. Et l'arbitre. Et on va chercher Baptiste Saint-Pé. Très bien. Très bien trouvé. Oui, ça c'est bien. Allez, encore, encore. Nos trois quarts qui. On oublie la balle là, au passage. C'est dommage parce qu'elle était intéressante cette action. Malheureusement, c'est la mi-temps. Ouais, c'est la mi-temps. Première mi-temps, on est mené 19-5 à la première mi-temps. Qu'est-ce que t'en penses? T'as un petit mot. Comment tu le verras? On aurait pu prendre plus, mais on défend bien. Sur l'homme, on a eu un peu de mal. On a su mettre du répondant au niveau du vol. On a fait un peu le rond et on se rejoint pour une deuxième mi-temps. Ouais. À tout à l'heure. Oui, toi. Toi qui regardes les matchs en direct. Tu veux des places pour les matchs? Tu veux des goodies? Tu veux des moments uniques avec les joueurs? Allô, abonne-toi. Abonne-toi? C'est gratuit. Sinon, nous venons chez toi. Attention avec un essai sur le tir au but et la semaine dernière. Voilà, et le ballon passe. Et c'est donc. Allez, on y va à la main tout seul. Il est parti. Allez, il faut y aller. Il faut montrer qu'on est costaud. Il faut faire en sorte que les autres, par une certaine peur, évitent. Allez, on repart là, on revient. Mais il faut marquer.
faut marquer les enfants juste avant la fin. Voilà, et c'est. Il a besoin d'avoir le moral. Ouais, il a fini la saison 2023 match aller avec nous et il revient en première. Il faut qu'il amène un plus. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, là, on va pousser tout le monde chez nous. Ouais. On est à quelques mètres devant nous, donc c'est des axes un peu. Ouais, bah là, ça va y aller. Essaye. Adversaire, remarque l'adversaire. Châtis. Toi là, oui toi. Toi qui regarde les matchs en direct. Tu veux des places pour les matchs? Tu veux des goodies? Tu veux des moments uniques avec les joueurs? Alors, abonne-toi! Abonne-toi? C'est gratuit. Sinon! Sinon, nous venons chez toi!
terminé. Alors on se retrouve pour cette deuxième mi-temps, toujours en compagnie de notre Mathieu Guénon. De Thibaut et de Florian. Mesdames et messieurs, veuillez s'il vous plaît les applaudir. Bonne seconde mi-temps à toutes et à tous. Et nos joueurs qui rentrent et à noter le changement. Le changement, c'est Lulu qui sort et Kevin Robton qui re-rentre. Ouais, comme on l'a dit plusieurs fois, il y a des joueurs qui doublent aujourd'hui. Lulu qui a déjà joué pas mal, a joué presque une mi-temps avec les espoirs. 10 minutes en seconde mi-temps. Ouais, donc énormément joué, donc c'est normal qu'ils sortent. Et donc Kevin, est-ce qu'il y a d'autres remplacements? Je regarde un peu. Mais non, il n'y a pas d'autres remplacements. Romain Fort qui est rentré à la place de Pierre Martin, on le rappelle, qui sortait sur blessure, touché à l'ischio jambier. Voilà, et là, la pluie. Je pense que c'est parti là, pendant 40 minutes avec la pluie. Hein. Ouais, il n'y a pas de soleil, c'est calendrier. Ouais, pendant la mi-temps, il n'y avait pas trop de pluie, mais là, ça vient de retomber malheureusement. Et c'est parti pour la seconde mi-temps. 19 à 5. Hein. On rappelle 19 à 5. Allez, c'est parti. Directement sur le 8. Ouais, faut le plaquer. Faut le plaquer. Surpuissant. Ouais, 8. Ça va être ça maintenant. Faut le prendre aux jambes. Là, le numéro 4, Batista. Bon, 18. Qui avance. C'est Batista. Mais c'est 18. Ça va être une chandelle normale. Hein, c'est le jeu. Hein. Ouais, l'espace était libre et ça va directement retomber sur Baptiste. Et là, qui va chercher un vis-à-vis bien plaqué. Hein. Qui est tout de même bien plaqué là, sur le côté par le numéro 6. Allez, tire Romain Fort. Romain Fort hein, qui repart comme il peut. On va essayer de se restructurer là avec une cellule. Non, Baptiste qui feinte la passe. Ah, il aime ça. En fait. Il adore ça le combat. On va dégager. Avec Florian Gomet avec une chandelle, une grande chandelle, mais il faut être dessous là. Il faut être dessous, personne n'était dessous, mais on est au plaquage. Il y a avantage. Avantage pour Florian. Ouais, la zone de 10 mètres, la normal. La zone des 10 mètres. Voilà, pas récompensé. Et là, c'est pas récompensé, c'est battu. Voilà, l'enjeu signalé par l'arbitre par rapport à la zone des 10 mètres. Oh, j'ai même cru voir un orage. Un éclair. Un orage. Un éclair. Oui, un éclair. Ils vont encore prendre la touche. Hein. Ils cherchent pas du tout à prendre les points. Ils veulent scorer. Ils veulent le bonus. Ils veulent, j'imagine, qu'ils veulent le bonus. 3 essais à 1. Pour l'instant, ils y sont pas. La touche donne aux 22 mètres. Et le vent a tourné. Hein, parce que le vent était en première mi-temps pour Florac. Il a retourné. Ouais, et encore pour Florac. Ouais, le vent a encore tourné. Ouais, belle prise, ça avance. Un mot structuré qui avance. Là, il faut le stopper. Faut le stopper. Avantage pour Flora qui s'avance. Là, c'est. C'est pété. Ouais, gros mot là. C'était compliqué. Ouais, carton. Non, pas de carton. Vas-y. Ouais, carton jaune contre Baptiste Saint-Pé. Un essai de pénalité par Robin Blot. Dixit Robin Blot. Numéro 8, là, le Florac qui a. Baptiste Saint-Pé qui se prend carton, on est à 14. Florac sûrement qui a dû être touché dans son ego hein, la semaine dernière, qui sont pris une petite branlée à Moléon. Donc là, ils ont cœur à gagner à domicile pour leur dernière ici dans leur stade à Florac. En avant. L'arbitre qui ne dit rien, il y a. L'arbitre de touche lui. L'arbitre central qui n'avait pas vu l'en avant, l'arbitre de touche l'avait vu, heureusement qu'il le prévient. Hein, c'était flagrant. Voilà, et le retour de Kevin Robton pour cette mêlée. Pilier de Florac qui. Il faut essayer de rapidement sortir la balle. Le pilier de Florac là qui met un genou au sol, numéro 8 aussi.
Pierre Lemaitre qui rentre. Et Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre qui rentre à la place de Batou. Ouais. Oui. Batou qui nous mettait dans l'avancée et qui était décidé de remplacer. Les commentateurs. Oui, ça va. Et on a le plaisir d'avoir Lulu à côté de nous, l'instant. Un petit mot, Lulu. C'était super les mêlées, vraiment j'ai passé un bon moment. Merci à Coach Carter, aka Mathieu Guénan, pour tous ses conseils en mêlée. Oh, merci Lulu pour la petite intervention. Voilà. Et le jeu qui va... Je crois que même qui demande... Qui va reprendre. Ah non, là il y a un changement. Kevin Robeton. Ah, Kevin Laquet. Non, il est touché. Ah non, je peux pas rentrer. Kevin qui sort, il est touché sur blessure. Ouais. Là, il peut pas. Ouais, donc. Il y aura un joueur, je pense. Il y aura les Non, il me semble pas parce qu'il sort sur blessure. Ah. C'est pas une carence vu qu'il sort sur blessure. Voilà, donc discussion avec les arbitres. Ah non, il faut enlever un joueur. Non, il y a une carence alors. Donc il va falloir sortir un joueur, il me semble. Joueur qui va sortir, non, capitaine, je sais pas trop s'il y a pas. Ah, et il fait sortir notre centre belge, Jensdorf. Ah, il fait un peu bizarre quand même. Ouais, il fait sortir Baptiste qui est un joueur très physique, il fait sortir Jens qui est un joueur aussi très physique. De toute façon, les mêlées qui sont simulées. Ouais, on va mettre le Lougi en troisième ligne, c'est pas. Donc là on est à 3 en attaque. Ouais, mais les simulés. Mais les simulés, voilà. Là, faut la jouer. Romain qui la garde. Là, on va repartir, il faut des soutiens. Voilà, c'est bien. Ouais, faut être leader. Hein. Voilà, on continuera, on avance. Ouais. C'est bien. Allez, Pierre! Ouais, ça va être que ça. Hein. Ouais. Bah, de toute façon, derrière, là, avec la carence, on est un peu en sous-nombre. Hein, donc, Ouais, donc Baptiste Bonnet qui était sorti pour blessure. Hein. Il s'est fait mal à l'ischio. Ballon qui sort extérieur, Roman qui repique intérieur, qui se fait bien plaqué. Ouais, c'est un peu plus facile pour Florac là. Moi c'est Lulu, je voudrais passer un message à ma femme, je ne suis pas blessé, tout va bien. Ouais. Ça joue, hein, ça joue bien. Ça joue, ouais. Non, c'est derrière, ouf, ça joue. Gros impact là sur nos numéro 10, Florian Gomier. On n'avance pas sur les impacts là. On était dans leur 22 mètres, on a reculé. Ah bah c'est plus facile pour défendre pour forcément ils sont on est à 13 contre 15 donc c'est facile pour bien, Farak. Hein. Et là une bonne pression là, sur le plaquage. Ouais, le vent qui s'est levé, la pluie, il y a des conditions. Ça va aller très loin. Il y a des conditions compliquées. Voilà, numéro 10 qui nous rend la balle. Allez Pierrot. Pierre, il a déjà joué ailier, on le rappelle. Allez. Et qui fait son fameux pas de loi, il avance. Ah oui, il avance. C'est bien. Bien Pierre. Avec Rougier. Allez, en avant. Ah, en avant malheureusement. Ce sera une mêlée pour Florac là dans leur camp.
Ouais, et Jens qui rentre. Qui rentre et on va faire sortir un joueur de devant. Ah non, le carton jaune, ouais. Le carton jaune est fini, donc Baptiste. Ouais, on était à 13. Ça. Ouais, donc Baptiste Saint-Pé qui rentre pas sur le terrain. Jens Torf qui passe en troisième ligne L. Roman Alerang aussi en troisième ligne L. Ouais, c'est, Et là, il y aura un 5 contre. Et derrière, on est. Derrière, là, c'est compliqué. Il va falloir. Faut que notre troisième ligne du jour la sorte très très rapidement. Ouais, là faut plaquer. Ouais, on est en sous nombre, mais c'est. C'est plutôt bien, c'est bien défendu. Ça va. Ouais, on l'a bien contrôlé. Ouais, la bonne place en plus, là faut plaquer. Ouais, le ballon qui a été récupéré par Alex Rouget, bien. Il avance. Voilà, faut essayer de jouer, faut essayer de sortir le ballon le plus rapidement possible. Hein. Là, il y a un peu d'espace sur l'extérieur, Jens qui avance, essaie de passer les bras, malheureusement qui n'y arrive pas. Non, c'est pas en avant, hein, c'était en arrière. Hein, il a voulu faire la passe à son coéquipier, il faut essayer de trouver un espace. Voilà, Alex qui porte encore la balle, ouais. Qui se fait stopper par deux joueurs. Un petit. Ouais, Romain qui essaie de la jouer solo. Là, on est un peu sous pression. Il faut essayer de restructurer pour lancer quelque chose. Voilà. Il faut des soutiens là, avec Adrian, absolument. Ouais, Roman qui va essayer de chercher un espace qui est bien plaqué. Ouais, Ah non, il y a ça trop tard. Non. Ouais, ce serait une touche pour Florac. À 50e minute, 26-5 pour les locaux. Donc je crois qu'ils ont le choix, c'est soit en avant, soit. Ah, et je crois que c'est la sortie numéro 5 de Florac, là Florian Letellier. Pour son dernier match à domicile. Qui applaudit une ovation pour la fille de Florian Letellier qui effectuait son dernier match à la maison avec ses coéquipiers. Merci Flo pour ton engagement. Merci. Passé par Cognac, Flo Letellier. Hein. Ouais. Comment ? J'ai joué avec lui. T'as joué avec lui ? À Cognac. Ah ouais. Voilà. Un bon mec. Que tu connais bien. Et bien là, on va faire sortir Adrian Tala. Et notre capitaine Adrie Lejean, et on fait rentrer Lucas Cousin en troisième ligne centre. Donc, on a une troisième ligne de trois quarts. C'est ça. Mais solide trois quarts. Hein. Et le 6 toujours qui essaye de ralentir. Il n'y a plus de R3. Il n'y a plus de R3. C'est normal. Hein. Espérons qu'il fasse un en avant. Non, voilà. Ça aurait été un peu bête qu'il joue sur les extérieurs qu'il n'y avait plus de 15. Hein. Il n'y a plus de R3, donc forcément, ils en profitent. C'est ça. Ouais, c'est un nouvel essai pour Flora qui prend le bonus offensif. Qu'il avait déjà, je crois, mais qu'il conserve. Et là, compliqué, c'est compliqué pour nos joueurs. Hein. Ouais. 25 minutes. Il fait froid, il y a du vent, il y a de la pluie, les conditions sont nantesques. Julien Lestremont, transformé par Nathan Gagnac. Florac 33. UBJ 5. Ouais, Baptiste Saint-Pé qui re-rentre. Et David Educa aussi qui va rentrer à la place de Roman, peut-être. Ou sur un autre poste. Roman de Flo Gomet. Il rentre à la place de Louis Gillier. Donc un repositionnement tactique, peut-être que Flo Gomet va passer à l'arrière. C'est ça. Flo Gomet passe à l'arrière. Flo Gomet place à l'arrière et c'est. David Educa en 10. C'est David qui passe en 10. On met la pression, il faut être dessous. Bah, on n'a pas la balle, numéro 8 qui la récupère, qui est plaqué
qui est plaqué par Pierre Lemaitre et par Roman, par Baptiste Saint-Pé. Voilà. Bon plaquage là, de Lucas Cousin. Ils vont nous rendre le ballon au pied. Ah bah oui, hein. On est prêts derrière, voilà, avec Florian et Alexandre. Voilà, le choix de Flo. Il va la donner à Alex. Alex, faut qu'il cherche un espace. Voilà, bien. Qui gagne son duel, qui avance. Allez, bien. Avance, bien. Bien, Alex. Le duel est gagné. Allez. On éjecte la balle. Il faut jouer. Il faut la jouer. Flo Gomet qui allonge la passe. Mauvaise passe, malheureusement. En avant de Florac. Donc ce sera simulé. Donc on garde la balle, c'est sûr. Le ballon est glissant. Hein. Allonger les passes comme ça ne doit pas être simple. J'aimerais pas être à sa place. Alors, Samy Chatti, ça va ? Et on remercie GG pour ses plans fabuleux. Il est habile de la caméra. Bravo GG. Arrête. Voilà. Et on part petit côté avec une croisée là avec Romain Fort. On a toujours la balle, Lucas Cousin qui avance. Des soutiens, on l'éjecte, Paul Buch qui trouve pas la transmission qui est mauvaise. Jens qui avance, qui rend le ballon à Florac. Et là ils ont de l'espace. Là il faut le plaquer. Là il faut. Ouais, faut venir bien jouer. Ils sont bien, mais c'est le numéro 10 qui éjecte au pied. Et ça sera une mêlée. Ouais. Mêlée là où le numéro 10 a. A botté le ballon là sur. Il a voulu jouer ça, mais il aurait pu aller au sol et garder. C'était pas le bon choix de la part de leur numéro 10. Nouvelle mêlée. Qu'il y avait sur côté gauche, mais non. Ouais, peut-être. Paul Buch là qui va faire. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, veuillez applaudir Romain Blot qui est remplacé par Baptiste Cadieu. Merci Robin. Et sorti de Julien Lestremont, remplacé par Lucas Brett. Voilà, les sorties des joueurs qui font leur dernière ici à Florac. Ah, et on voit Théo Joubert qui s'approche. Ouais, Max Augereau aussi. Et Max Augereau qui se rapproche du cabanon, qui vont sûrement rentrer très prochainement. Ouais, ça va rentrer. Hein. Ouais, Théo Joubert, son premier match en Fédéral 1. Aussi. Qui mérite, hein, il a fait une bonne saison avec les Espoirs. Oui. Une très bonne saison et qui mérite logiquement là, de jouer. Il double hein, lui aussi, on l'oublie pas. Hein. Il a fait une mi-temps. Il a fini mi-temps avec les Espoirs et là il va faire 20 minutes avec la première. Ah, c'est un combattant, il nous vient de Périgueux. Il lâche pas, c'est bien. Ouais. Ça lâche pas, ça joue. Hein. Ouais, ils là ils sont. Tombés, hein. Ouais, ils sont trop, solidaires. Hein. Ouais. Ils sont solidaires les mecs de Barbezieux, c'est bien ce qu'ils font. Ah. On essaye de jouer coûte que coûte, hein, même dans l'autre camp. C'est. Voilà, on avance, hein, malgré tout. C'est ça. Eh ouais, dans l'axe, c'est bien. Hein. Voilà. Alexandre hein, qui avance beaucoup aujourd'hui. Là attention, ouais, il était un peu seul, mais les soutiens ont été réactifs. Là, il faut y jouer. Ouais, faut jouer. Lucas Cousin, numéro 8 du jour. Ouais. Et Thomas Nati, la transmission. Les passes. En avant. Et Flora qui va faire rentrer du 109. Quatre remplacements. Donc la première ligne, il me semble, qui va rentrer avec. Et avec le troisième ligne, c'est Roux. De notre côté, ouais, Max Augereau qui rentre à la place de Jens. À la place de Jens. Et Théo qui va rentrer, j'imagine, en tant que pilier gauche.
Ouais, Maxime Coquard là qui va sortir, il me semble. Oui, Max Coquard va sortir. Là. Ouais, Max il sort, ils hésitaient. Voilà, et du côté Florac, il y a toujours un remplaçant. Et nous, notre banc des remplaçants est vide. Ouais, une bonne attaque là de Florac. Faut faire tomber là, ouais, faut le faire tomber. Hein. Numéro 8 qui avance, qui reste debout, qui trouve du soutien. Allez, déblayage appuyé. Deuxième ligne. Gros déblayage du côté des Florac. Ouais, encore. Ouh, là, il plonge. Ouais, là, mais là, l'arbitre, il a vu. Clairement, il plonge. Ça fait deux fois la suite. Là, c'est carton jaune. Hein. Ah oui. C'est à la tête, en fait. Ouais, non, là, c'est carton jaune. C'est pas la tête. Charge à l'épaule, c'est pas beau. Que nos joueurs font ce qu'ils peuvent à 14 ou 13, on est en carence. Voilà. C'est pas malin de la part des Floraquais. Pas trop, non. Voilà, il appelle. C'est le numéro. Il appelle, c'est le numéro 2 pour son dernier match qui va sûrement se prendre un carton. Donc on va voir la sanction. Ouais, carton jaune. Ce sera un jaune. Hein. Carton jaune pour le joueur de Florac. Qu'est-ce qu'ils sont ? C'est vraiment des pommes de terre, ces mecs. Oh. C'est quoi ? Des pommes de terre. Sorti sur carton jaune de Thibaut Le Bastard. L'autre, il attaque la tête du long. Allez, on prend la touche. On prend la touche. Non, il pourra pas le jouer vite, ça sert à rien, numéro 15. Ouais. Touche bien trouvée là sur les 40 mètres de Florac. Voilà. On va essayer. On va se remobiliser, hein. on n'abandonne pas hein, depuis tout à l'heure. Hein, là, des changements pour Florac. Et ils mettent des coureurs, hein. Ils ont raison. Ouais, ils font. Les mêlées sont simulées, mais ils font rentrer. Ils font rentrer des piliers hein, tout de même. Et leur numéro 21, Gaillard. Ouais, leur c'est quand même costaud, hein. Leur troisième ligne solide. Sorti de Sadio Traoré, Marvin. Ouais. Pivert, touche, on Thibaut conserve le ballon. Ah non, en avant. En avant, ça sera ballon rendu pour Florac. Les lanceurs touche qui sont compliqués là avec le temps qu'il fait. Oui. Là, c'est. C'est pas évident. Ouais. Non, c'est pas évident. Déjà qu'un lancer, n'est pas évident, mais là, en plus, avec le vent qu'il y a, ça l'est encore moins. Ouais, et là, côté Florac, il faut faire rentrer un talonneur. Hein. Et sortir un joueur. Ouais, il faut sortir. Il y a Aurélien qui sort et le numéro 16 qui rentre. Sortie de Benjamin Guiraud. Merci Benjamin. Merci beaucoup. Ouais, c'est le numéro 8 qui est sorti côté Florac. Hein, et le remplaçant troisième ligne là qui est rentré tout à l'heure. Ouf, gros impact là, il faut. Ouais, bien attaquer la ligne. Hein. Mais, ouais. Là il y a un gros surnombre sur l'extérieur. Ouais. Ouais. Il continue au pied. Là ça va jouer à la course. Avec Pierre Lemaitre qui est bien. Ah là il est devant, il y a pénalité. Mais Pierre Lemaitre qui était là, il aurait plongé sur la balle. Il connaît sa qualité de vitesse. C'est ça. Allez, dernier changement de la part de Florac, là, deuxième ligne. Leur tour de contrôle, Antoine Jourdan qui va rentrer. L'ancien joueur du SA15. On a même les lumières ici. Ouais, les lumières.
l'anniversaire. Et là, c'est bien chargé, hein, je vous le dis. Je sais pas s'il pleut à Barbezieux, mais là, c'est affreux. T'es bien dans la tribune. Hein. Ah oui, on est bien dans la tribune, là. Franchement. Ah, malheureusement, cette touche. Oula. Il y a un contact quand même en l'air, là, sur Valentin. Mais, ça joue, hein, ça joue. On a perdu cette touche. Là, sur les extérieurs, il faudra revenir à Florian qui contrôle. Il faut le plaquer, les gars. À Davide qui plaque. Lucas Cousin hein, qui monte fort en défense hein, depuis tout à l'heure qu'il est rentré en troisième ligne. Ça lui va peut-être bien ce poste. Elle a gagné ça, hein non. Et le ballon qui était presque gratté. On avait les mains sur le ballon avec Paul Buch. Ouais, belle passe, c'était une belle passe. Ça joue, l'arbitre. Elle va marquer, vas-y Thomas. Pour son retour, et non, qui passe en touche. Dommage, il n'a pas eu les cannes pour aller au bout. En opportuniste, on aurait pu marquer CC. Ouais. Et touche pour Florac dans leur camp. Il aurait pu tenter de couper dans l'embut et à la course. Et il a essayé de passer comme ça. Bon. Bien défendu du côté de Florac. Ouais, c'est bien défendu. Sortie de Kevin Batista, remplacé par Antoine Jourdan. À côté Florac, il y a un joueur qui est au sol, mais c'est pas en première ligne, donc le jeu va continuer. Ballon qui est capté pour Florac, on l'a bien défendu. Hein, ils allaient former un bol, on l'a bien défendu. Ah, le ballon qui va nous être rendu, il faut se replacer là. Ouais. C'est Thomas Napti. Allez. Il va prendre le ballon et il va envoyer. Il l'aura pas. Il l'aura pas, ouais. C'est sûr. Là, il faut le plaquer. Titis, bien joué ça. Ah, plaqué. Maxence qui a été retenu un peu au maillot. L'arbitre qui ne voit pas le geste d'anti-jeu. Allez, Thomas, allez. Allez, Thomas, qui va jouer son duel. Sorti sur blessure. Et qui va remporter son duel. Il avance. Voilà, Alex, qui continue, qui arrive. Ah, bien. Bien, Valentin qui. Un post-it. Qui met un petit post-it. Ouais, là, on sait pas trop quoi faire. On est un peu. Ouais. Ah, n'a pas de vitesse. Hein. Ouais, non, on manque de vitesse, on manque d'organisation en général. Ouais, hein. Alors, on n'arrive pas à se trouver. C'est un peu le foutoir. Ouais. Bah, y a des joueurs qui sont replacés pas à leur poste. Ouais, c'est ça. Qui n'ont pas l'habitude. On est un de moins. Allez, bonne là. Allez, bonne. Là, elle peut être bonne à jouer. Ouais, là, il y a des espaces. Là, Maxence qui va rester sur le terrain. Là, mais là, il faut des soutiens. Ouais, les soutiens tardifs, mais l'arbitre qui ne dit rien. Ah, il monte. Ouais, plaquage haut. Il y a un plaquage haut. Plaquage à l'épaule, l'arbitre. Plaquage à l'épaule, bon, écoutez. C'est comme ça. Allez, Lucas. Ah, Lucas Cousin. Ouais. On joue dans le dos, voilà, des joueurs. Ouf. Ouais, beau plaquage là. On était attendu. Ouais. On était attendu, là, on est un peu. On est un peu décontenancé, on ne sait pas. On n'arrive pas à trouver des solutions. Ouais, on est en avant. Ça sera en avant, balle pour Florac. Ballon pour Florac, ouais, c'est compliqué hein, pour nos joueurs. C'est... Mais on se lâche pas, on est toujours là au combat, on est présent. On essaie d'avancer, mais malheureusement, on manque d'organisation et un peu de vitesse. Ah ouais. Ah ouais, j'ai bien suivi. Là, Berger, 29 il a fait. 29. S'il a jeté son GPS, ah, donc là, Berger et Florac qui va avoir une balle à jouer. Sortie, ouf. Très gros impact. Mais, oui, voilà. Mais il se débarrasse un peu du ballon. Il fait un bel impact, mais après, il se débarrasse du ballon. Ouais, là, encore une fois, là, faut la récupérer, faut plonger dessus sur ces ballons. Faut pas essayer de le jouer à la main ou de jouer au pied, plonge dessus, c'est la meilleure option. Ah, Roman qui a du mal à se relever. Ouais, bah le jeu hein, d'un côté et de l'autre, même eux qui sont en supériorité numérique, oui. Ils ont un peu de mal. Hein. Avec les conditions qu'il y a, c'est compliqué. Hein. C'est un match sans grands envols. Le score est fait de toute façon. Bah, le score est fait, j'ai l'impression des deux côtés. Donc là, ce sera une attaque pour nous.
voir ce que... c'est pour Florax. Ah non, non, en avant de notre... Bon, bah, d'accord. Voilà, bien tué. Et le disque qui continue encore au pied. Ouais, ce serait une touche... une touche pour Florac, pour nos joueurs de l'UBJ, là, aux 5 mètres. Je trouve que le 10 de Florac se débarrasse un peu trop vite. Ouais, il se débarrasse trop vite. Enfin, c'est un bon joueur. C'est notre, mais je pense qu'il y a mieux à faire. Ouais, il peut le conserver après. Il joue après lui, mais bon, là, comme il a vu qu'il n'y avait pas de R3, il tente. Ouais. N'oublions pas cette passe magnifique qu'il nous a fait. Hein. Sur le premier essai de Florac, il a fait une superbe passe. Ouais, c'est lui, hein. Ouais, la touche qui est conservée. Là, on forme un molle qui avance pas. On va se débarrasser du ballon. À l'entrée de nos 22 mètres, Florac. On est sorti du camp. On est sorti du camp. Et Jens qui refait son entrée. Ouais, c'est Alex qui ressort. Ouais. C'est Alex, ouais. Ouais, normal. Il a énormément donné aujourd'hui, oui, Alex. Oui. Il a été au four et au moulin. Il a touché beaucoup de ballons. Il a plaqué. C'est. Allez, lancé pour Florac. On va voir ce qu'ils vont nous proposer. Non, eh ben, c'est pas droit. Voilà. Bras cassé. Non, ça vient un autre joueur en plus. Et ça joue. Et il joue. Ouais. Et ben, feu. On joue, hein. Mais oui. Ah bien, oui, ouais. Pierre qui avait pris le trou, ouais, le croix, et la vitesse, malheureusement on perd la balle, attention à un joueur là qui est dangereux, il faut le plaquer directement, mais ouais Pierre, hein, là, sacré Pierre Lemaitre quand même, ah sacré Pierre Lemaitre, on dirait pas comme ça mais le joueur va très vite, et là Florac qui remet la pression, attention au 50-22, allez Clément, ouais, là on joue dans... Là il faut être au soutien, Maxence, faut que tu viennes tout de suite, Flo, c'est Romain, faut que tu sois aussi au soutien. Ouais. Ok, c'est bon, on conserve la balle. Ah ouais. On fait un point de fixation et après on va sortir de notre camp. Ouais. Ouais, là, les joueurs qui sont fatigués, on le voit. Ouais, là c'est notre numéro 9 là qui a loupé un peu son jeu au pied. Retour de Benjamin Guiraud. Voilà, et Flora qui revient à 15 contre 15. Ils sont 16. Si, il n'y a personne qui est sorti. C'est normal, c'est qu'il y a un record de carton jaune. Si, le temps de match. Ah, et là, le mol de Flora qui avance. Mais pas de pénalité. Si, il y a un avantage. Ouais, on est monté fort, c'est ce qu'il fallait faire, Thomas. Bien, bien. À la fin de le plaquer. Là, Maxence, faut que tu reviennes. Là, il y a un espace en tout droit. Mais c'est bien plaqué, ouais. Et on retourne. Bien défendu, Cody Barbezieu. C'est bien défendu. C'est bien défendu. On retourne à l'avantage là, sur le mol. Devant, on rappelle, on a trois joueurs qui jouent derrière, qui sont troisième ligne. Hein. Donc c'est sûr que sur les molles, c'est pas aussi simple. Voyons voir ce qu'ils vont faire et s'ils vont... Ah, ils vont prendre la touche. Ah bien. Ouais, dommage, on avait contré la balle, mais... Ouf, et le numéro 10 qui nous met des beaux crochets intés. Il reste debout, il avance toujours. Il faut le plaquer. Le ballon qui sort. Il faut mettre la pression. Ouais, c'est bien. Ouais, il joue après contact. Ouais, là, il y a les espaces. Ouais, il y a les espaces. Ils vont aplatir en coin. Et c'est bon, Florac. Hein. J'ai cru qu'ils n'avaient pas le marqué, mais ils l'ont marqué. Ouais, ils ont bien joué. Ils ont bien joué le surnom, moi.
joueur qui reste à terre là. C'est Paul Buche qui se plaint. Non, ça va. Non, c'est bon, ça va aller. Ça va aller. Ah, là, ça va être compliqué. Si on a encore, si on a plus de, on a plus de talonneur, on a. Si, il y a encore Adrien Tala quand même sur le banc, mais. On n'est pas bien. La fin de saison va être dure pour l'UBJ. Bah, il reste deux matchs là pour l'équipe première. On espère hein, que Florent Boucher va revenir pour le prochain match contre Nantes. Avec des retours de Nikita, on l'espère aussi que nos blessés reviendront. Et la transformation qui n'est pas un essai de Lucas transformé. Brett, non transformé. Florac 38, UBJ 5. 38 à 5 là pour Florac dans ce match. Et c'est reparti. Ouais, Flora qui joue en avant, en avant. Ah c'est en avant. Ouais, en avant de poste sur cette tentative de Chissera. Bon, ça va être un ballon intéressant là sur les 22 mètres. Bon, c'est sûr qu'on va garder la balle avec les mêlées simulées. Ah, peut-être une sortie de 8 là de Lucas Cousin. Hein. Non, il attendra pas. Alors, on attaque la ligne, ouais. Oui, bien joué, oui, Romain qui prend oui, tout. Oui. Qui éjecte sur le jeu Maxence Augereau et l'essai. Et c'est l'essai de Max, l'arbitre qui ne dit rien. Ah si, c'est bravo. Belle action. Bah, ouais. On voit que même en sous-nombre, on arrive à trouver de l'espace. Et cet essai-là de Maxence. Avec sa vitesse sur l'aile, il a déposé tout le monde. Et Romain qui a bien trouvé le trou. Hein. Qui a trouvé le trou, la passe qui était allongée avec rebond. Mais passe à rebond, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, comme disaient les trois quarts. Et Maxence, notre ailier, Maxence Augereau, qui vient de planter son essai. Je crois qu'il a plongé dans les 5. Hein. Ouais, il a pu plonger de loin. Ah, donc on sauve l'honneur. On tente. On l'a dit tout au long du match, on tente. Hein, on tente tout, même en sous-nombre, même avec des trois quarts en tant que troisième ligne. Ouais, c'est récompensé. Hein. C'est bien, c'est récompensé. Même qu'on perd, c'est récompensé. C'est ça. On baisse pas la tête, et là, la transformation. Et ça va passer. Ça passe. Bravo. Ouais, belle transformation là pour de Roman Lerang. Avec le supporter là de Florac qui encourage ses joueurs, c'est beau. Ouais. Romain qui va sortir du camp. Bien sorti de camp. Ah, belle sortie de camp. C'est bien. Beaucoup de pieds là de notre jeune, hein. Jeune Romain Fort, il a 19 ans. Il a 19 ans Romain et il est là, 9 en fédéral. Joue équipe espoir des C15. Ouais, il est en double licence. C'est ça. Ouais, nouveau lancé là pour Florac au niveau des 40 mètres. C'est capté. Ouais, et là, il tente le mol. Hein, et ça avance. Ouais, forcément, on est. Ouais, là, faut plaquer. Bien, ouais, bien plaqué, Romain, contre le pilier droit. Il ne s'est pas échappé. Non. On savait ce qu'il allait faire. Hein. Bien attendu par la défense, bien ça. Il était attendu. On essaie de contre-roquer hein, avec Lucas Cousin qui en perd le casque. Là, on plaque, on est en défense. On veut pas se le prendre, hein, c'est. Allez,
Et encore le coup pied, mais cette fois qui passe. Bel essai. Ah non, ah oui, c'est vrai. Il n'était pas en jeu apparemment sur le coup de pied. Ouais, il a tenté le 10 depuis tout à l'heure et bah, là ça passe. Après le 10 se complique un peu la vie parce que intérieur il arrivait bien, mais bon il a joué au pied. Bah, il voulait absolument faire son jeu au pied. Ouais c'est ça. Voilà, 79 minutes. Ça va, l'arbitre va bientôt siffler à la fin du match, peut-être après ce coup de pied. Là, les Girondins qui mènent 43-12. Bah, il attend même, donc je pense que c'est il m'a sifflé dessus. Il fait exprès d'attendre. Il doit sûrement avoir le temps. Comment ? Ça fait plus d'une minute ou pas ? Donc on rappelle, nos joueurs ils peuvent monter en défense à partir d'une minute. Voilà, bon, à la 80e. Et il la rate. Et il a pris trop son temps. Et on finira là-dessus. Ouais, c'est fini, match terminé, un match qui sera marqué par cette carence. Hein, par cette carence en mêlée qui a tout chamboulé. On a dû jouer avec des joueurs qui n'étaient pas à leur poste, donc c'était compliqué. 3-43ème ligne, en sous-nombre quasiment tout le match. On a été solidaires, mais malheureusement c'est très compliqué. Enfin, c'est une belle équipe, hein, Florac, il faut le dire. Une équipe qui joue très physique, qui nous a mis un mal. Hein. Donc bravo à Florac. Et semaine prochaine, un gros combat contre le leader nantais. Contre Nantes, à Jonzac. À Jonzac. Soir, hein. Donc on vous attend nombreux. Merci à toutes les personnes présentes sur ce live. Merci aux abonnés. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Merci les abonnés. Ciao.